Zébordi, zébordi. Épisode 33, je crois. 34. Dans les 30. Ouh, putain, ouais. Déjà dans les 30. Ouais. Putain. Eh bah putain. Déjà. Wow. Alors, wow. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sessions précédentes? Nous devions nous rendre à Galopa pour aller péter la gueule au Double Horn, enfin pour aller retrouver la trace des Double Horn, parce qu'on sait qu'ils étaient par là. Sur le chemin, on est allé enquêter dans l'orphelinat, parce qu'il y avait eu des trucs étranges qui nous avaient été dits par Vulcan, il me semble. Vulcan et Gold, oui. Ouais. Du coup, on est allé voir, on a découvert tout ce qui s'y passait, on a pété la gueule des gars qui faisaient des expériences sur les gamins. On a été un peu violent sur ce coup-là, mais... C'est ce coup-là qui a été un peu violent sur eux. On avait les raisons. Ils le méritaient. Voilà. Ah, je tiens à préciser que Silver, quand même, il en a buté 3 sur les 3, hein, des adultes. Ouais. Du coup, voilà. On a récupéré le petit Carnel Terra. Bah, la petite, techniquement, mais... Oui, la petite, pardon. Nous l'avons récupéré, nous l'avons confié à des gardes. Pendant que nous, on allait s'occuper justement des Double Horn, nous avons rejoint les Rito Wish. Ils vont mourir pour nos péchés. Les Rise Hot. Oui, les Rise Hot. Voilà, nous avons rejoint les Rise Hot. Qui nous ont dit que le reste. L'autre groupe de bandits. Les... Ouais, c'est les Black Hole, non? Qui nous ont rejoint? Ouais. Ouais. Les Black Hole qui nous attendaient. Qui nous attendent de. Près de là où sont les Double Horn. Comme ça, on va établir un plan et on va aller leur péter la gueule. Oui. Ce sera une session de combat. Voilà. D'ailleurs, je vous mets directement sur la carte. Je vous demanderai juste de ne pas dépasser une certaine frontière pour les préparations. Et du coup, pour préparer un truc que j'ai le temps, est-ce que je peux essayer de préparer un, comme l'autre fois, l'équivalent d'un cocktail Molotov et donner à la personne qui a le plus de stats pour lancer ça. Ouais, pourquoi pas. Mais tu peux pas en préparer quelques-uns d'ailleurs. Ouais, mais je pense pas que j'ai énormément non plus d'outillage. Parce qu'à chaque fois on disait que je prenais de quoi bidouiller, mais faut aussi que je puisse transporter. Donc je pense pas que je puisse en pèse 20 000. Bah, si t'as besoin, nous on peut en prendre aussi. Hein. Demande à Silver, il peut faire la mule. Oui, mais il a d'autres trucs à porter aussi. Au bout d'un moment, il est costaud, mais. Il porte pas grand chose, il a son armure. Bah en soi, je pense que tu pourrais faire autant de cocktails que vous avez de lanternes. On a 4 lanternes. Plus si on compte celle des PNJ. Oui, mais d'un côté, enfin, il faut. C'est vrai qu'il faudrait quand même garder nos lanternes, mais. Bon, on a la lumière, tu veux prendre la mienne vu que j'ai ma lumière de toute façon. Ouais, je vais prendre la mienne. C'est vrai que d'un autre côté, on peut avoir quand même la lumière de ce coup-là. Donc oui, en fait, elle peut prendre ma lanterne. Je vais prendre la mienne parce que. Ok, je vais en faire 3 du coup. Il faut qu'on en garde. Je vais demander à des PNJ s'il y en a qui veulent se séparer de leur lanterne. Je vais tirer un dé. Ma boréboule, il voit dans le noir, c'est bon. Et donc 5 plus 3, donc 8. Je fais 8 jets de réparation. Ouais. Hein. Quand c'est une prouesse, l'explosif, il passe à 2d6 dans un gabarit moyen ou 2d4 dans un grand gabarit. Vous pensez que c'est le mieux le quoi, vous? Je dirais fais des 2. Tu sais quoi, vu que c'est 8 en tout, je vais faire la moitié, en fonction s'il y a des réussites. Déjà, on va faire les jets. Ouais. D'abord les jets. Je pense pas que je vais faire de relance pour ça. C'est pas le plus grave. Donc, une normale. Ah, mais j'ai mal. Et je prends en compte que vous préparez. Je prends en compte que vous préparez devant, mais assez loin quand même. Oui, oui. Ça va aller quand même, ma chérie? Non. J'ai fait un fumble. Ah. C'était exactement pour ça que je me suis dit que ça pouvait être... que vous allez le faire assez de manière éloignée. Et surtout que tu voulais que je fasse Ouija, pour que ça me pète à la figure. Non, en fait, je vais être assez sympathique, c'est juste que ça va...
Ça va effectivement prendre feu. Mais et ça détruira en fait quelques autres des lanternes, donc t'auras perdu la moitié du boulot. Ok, bah du coup j'ai fait 4. J'en ai fait 4 avant. Et il y en avait 8 en tout, donc. Ça va être les dernières, ouais, celles qu'il a pas déjà faites. Allez, je suis sympa, on va garder ces jets là. Bah voilà. Okay. Donc du coup, c'est ce que je disais, les 4 autres que j'allais faire, merde, du coup. Je me confonds en excuses. J'ai failli brûler la moustache. Du coup, ça fait une prouesse. J'ai hésité à te la brûler, ta moustache. Ouais, je le sentais venir. Du coup, ça fait une prouesse et 3 succès. Oula, requête de vol. Roger veut me voler ma carte. Non, on vole pas les cartes, Roger. Pardon, j'ai... Faut cliquer, en fait, faut cliquer autour de la carte, faut pas cliquer sur voler la carte. Ok. Du coup, la prouesse, je pense que vu qu'il y en a qu'une, je vais prendre une moyenne qui fait 2d6. Et les autres, ce sera des classiques qui font 2d4. Avec la possibilité d'enflammer en plus, c'est pas déconnant. Juste, je prends en considération que les lanternes sont pas allumées, faut les allumer avant, mais vous avez le matériel pour. L'allumer en soi, ça prendra comme une action de dégaine. Donc, du coup, je les note dans mon inventaire ou je les distribue? Toi qui vois. C'est sur l'athlétisme à le lancer. Ouais. Qui a beaucoup en athlétisme? Alors, non, ça se demande pas, c'est plutôt qui c'est qui s'est lancé. Qui se sent capable de bien lancer un engin explosif hautement inflammable? Ça dépend ce que ça nécessite. De la dextérité et de savoir viser. Et de l'athlétisme. Sur des dés à plusieurs faces, entre un dé à 4 faces et un dé à 12 faces, c'est vrai. J'ai un dé 6, moi. Du coup, c'est en athlétisme qu'il faut regarder? Ouais. Bah, athlétisme, j'ai des 6. On a tous des 6. Il n'y a pas des PNJ qui sont doués au lancer. Sauf Fizzle qui a un petit D4. Vous savez quoi? Je vais prendre le risque. Je vais garder les bombes. Et en donner. Je vais donner la grosse à Silver, tiens. Attends, vous en voulez. Vu que j'en ai 4, on peut en avoir une chacun aussi. Mais attends, c'est pas parce que. En plus, il est costaud, non? Donc, il a pas. C'est pas avec costaud que tu peux lancer plus loin. C'est avec brut, pas costaud. Merde. C'est brut, pas costaud. Au pire, on en a 4, on en prend une chacun. Oui. Pas pour Fizzle. Ok. Oui, vaut mieux. Est-ce que ce coup-là, tu en veux une? Non. D'accord. Bah, j'en donne la grande et une petite à Silver. Et les deux autres petites, je les garde. Ok. Je vais mettre rapidement. Deux petits molotov. Avant, est-ce qu'on a un plan ou est-ce qu'on fonce dans le tas comme des sales cartes? Justement, je vous laisse en discuter. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on connaît la topographie du terrain? Non. Et je demande juste à Golden du coup de me rappeler sur son atout parce que je vais noter les lanternes et les molotov. C'est quoi la portée? Je retourne voir sur la fiche. Portée 5, 10, 20... Non, ça c'est l'autre. 2D4 dans un petit gabarit. Mais il dit pas la portée. T'es sûr que c'est pas du coup 5, 10, 20? Ben 5, 10, 20 c'est si c'est une arme de poing. T'es sûr? Ben oui, sur l'affiche ça n'affiche pas. Attends, sur le livre. Dans débrouillard. J'imagine c'est par rapport à une grenade classique. Je regarde. Parce que la grenade c'est 5, 10, 20 aussi. En case? Ouais. Grenade à manche, grenade étourdissante, grenade fumigène. C'est du 5, 10, 20. Puis t'en as une qui fait 4, 8, 16. Et les autres aussi c'est 5, 10, 20. Ouais, donc 5, 10, 20. C'est pas mal. Donc du coup 10, 20, 40. 10, 20, 40. Silver, on compte sur toi. Fais-toi exploser au milieu des méchants. Kaboom. Après, vu toutes mes résistances, il y a moyen que j'arrive en plein milieu et que je prenne rien, moi. Il y a moyen aussi, vu que c'est une grenade, que ça fasse 48 points de dégâts et tu meurs. Non. J'ai des bénis. Et puis, ça aide à remonter. Donc du coup on parlait de plan, en termes de topographie, etc. Ouais, moi je demandais si on avait accès à la topographie du terrain.
Non, c'est totalement inconnu. Silver va se mettre, va insister pour être à l'avant, quoi. Oui, voilà, on est certain déjà que c'est Silver qui va être à l'avant, moi je vais être derrière. Et je propose aussi, c'est que quand on arrive, lancer au plus tôt les grenades et autres sorts ou autres produits qui sont à... Comment on dit en merde? Comment on dit quand c'est un truc en zone? Tous les autres, tous les trucs qu'on a de zone d'effet, voilà. De les lancer en priorité en premier, vu que on aura plus de chances de les toucher et moins de chances de toucher des alliés qui seront ben, au contact. Déjà, il y a Garnet qui va... Non, pas Garnet, ça va être l'autre, là, le... J'ai pas son nom, le con, là. Je scroll. Il est où? Golden Arrow, donc lui. Ouais. Lui, il se propose de rester en arrière pour faire une barrière et de prévenir si jamais il y en a d'autres qui arrivent pour rentrer. Il fera une barrière, en fait, une fois que vous serez tous rentrés, il fera une barrière pour... il surveillera, en gros. On ne pourra plus sortir. Ah bah si, il suffira juste qu'il... Ouais, c'est tout bon. Qu'il désactive le machin. Ouais, Moi, je pense que je resterai aussi un peu plus à l'arrière. Bon, je serai quand Roger même un peu... Roger voit un rien. Peu... Pardon. Hmm? Pardon. Roger voit rien. Oui, voilà ce que j'allais dire aussi. Ah, ouais. Non, Roger voit. Moi je pense rester un peu plus à l'arrière, étant donné que je suis pas très au corps à corps. À la limite, je peux venir en utilisant ce transformation, mais... Moi je ferai partie aussi de la deuxième vague pour essayer de les terroriser ou de guérir ceux qui sont blessés, ou d'endormir des gens, ou de les enchevêtrer. Scratch restera aussi en seconde ligne pour les soins. Silver, la cible. Sunflower Realm restera aussi devant avec une épée. Earth et Flame resteront en arrière à distance avec des arcs et des arbalètes. Axoloist, il sera aux côtés de Silver. Et la grande question, c'est on essaye d'y aller doucement ou on fonce directement dans le lard une fois rentré? Genre la porte, c'est on frappe à coups de marteau. Mais c'est juste, j'imagine, ça dépendra de comment c'est quand on arrive, quoi. On essaye d'être discret le plus longtemps possible. Ouais, parce que au plus on est discret, on rentre. Écartez-vous, on rentre! Blam! Avec le coup de marteau! Bah! Confiance-nous! Vous nous cherchiez? Bon. Eh bien. Allons-y. Juste une autre question. Peut-être que j'abuse, mais est-ce que c'est possible de. De faire de la réparation aussi, par exemple pour l'arbalète, genre faire un ou deux carreaux barbelés ou un truc dans ce genre? Ouais, c'est un peu non. Ok, d'accord. Ça me paraît logique, j'ai passé mon temps sur les autres trucs. Et puis enfin, dans tous les cas, pour les carreaux d'arbalète, on peut en avoir récupéré en ville ou ils pourront nous en donner. Non, mais c'est surtout pour en faire d'autres. Oui, voilà. C'était pour en faire d'autres types. Ah, genre mettre un cocktail Molotov sur un carreau, quoi. Non, quand même pas. Ouais, non, là c'est trop lourd là. Ça aurait pu. C'est un truc à me le péter dans la gueule. Bon, bah du coup Radi. Quand vous l'êtes. Ah, mais en fait. Oh, je vais l'avancer directement jusqu'ici lui parce que je vais avoir tout le monde à bouger. Ah, je viens de me rendre compte d'un truc sur un de mes sorts, étant donné que je suis passé... me dis où est-ce que je dois bouger, Ren? Bah, je suis le groupe, hein, suis le mouvement. Oui, mais je vois à peine, hein, donc... Comme tout voilà, là. Là, c'est... j'écrase personne, là? Non, c'est bon. Ok. Ouais, alors, du coup, Fizzle, elle va se retrouver un peu plus à l'arrière.
Tiens, d'ailleurs, je viens de me rendre compte. Je vais me mettre à côté de ce coup-là, tiens. Je viens de me rendre compte qu'étant donné que je suis passé vétéran, mon sort de transformation, je peux prendre des bestioles qui font de taille 1 à 2. Pas mal. Un ours, c'est de taille 2. Wood. Ça pourrait être un autre tank. Wood. J'arrive, c'est juste c'est tellement dans le noir, j'avais pas remarqué que vous aviez bougé. Voilà. Donc si jamais il y a vraiment de soucis... Ça pue du cul. Ça pue du cul. Ouais, non. Non, un peu violent. J'avoue. Je sais qu'on va... musique. J'en ai fait une musique comme ça, c'était un peu salé. Vu les cartes qu'on a, quand même, je suis confiant. C'est justement quand d'ailleurs, on a des cartes comme ça que des gens meurent. Faudrait pas commencer par poser voilà, la cavalerie. Mais je pense que c'est mieux d'utiliser quand on a vraiment besoin. Bah, genre, on se rend compte qu'on gère pas. Non, parce que ça met du temps à arriver, donc. Oui. C'est pas faux. Donc autant la jouer au début. Là, je vois pas les cartes de Golden. Moi aussi, je l'aide tout. Arrive, le MJ en détermine. Le... Ouais. Les animaux de la forêt, ils sont venus nous aider. Un oursin mineur arrive parce qu'en fait c'était sa caverne avant. Hein? Après. Isalis, qui s'est dit qu'elle avait envie de faire une sortie avec la famille. Personnellement. Allez, moi, les enfants! Personnellement, moi je vais garder mon utilisation de carte pour remonter ou un autre jour. Ouais. Je pourrais peut-être l'utiliser moi. Parce que ralliement, ça va être limite chaud pour moi de l'utiliser. Oui, parce que toi, t'es pas en avant de le... Pas quand même. À la limite, ouais. On est d'accord, j'utilise... La cavalerie. La cavalerie. Ok, je la mets. Oui, on considère que c'est moi qui l'ai mis. Okay. Comme ça, je pourrais jouer penchant amoureux ou félon. Hein? Sur le chef. Ou sinon, tu peux jouer apaisement ou ralliement. C'est quoi ralliement déjà? Ralliement, ça permet de ouais. Tous les alliés dans un rayon de 10 mètres autour de toi. Oui, mais mon harem. Oui, mais ton harem. Bon. La cavalerie, ça sera pris en compte. Ça arrivera un poil plus tard, mais ça arrivera. Ça arrivera, mais plus tard. On a compris. Alors, ce que je vais faire, c'est qui c'est qui va représenter vos alliés, ce sera elle. Bon. Vous êtes devant. Oui. Silver, c'est toi qui es vraiment devant la porte en soi. D'accord. Bah, je vais essayer de l'ouvrir sans la défoncer, quoi. Ok. Bah, c'est verrouillé. Bah, j'appuie doucement, hein. Je vais pas essayer de clac 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 la poignée. Hein. Ouais. Mais un petit jet de perception. Petit jet de perception. Dès que la truc veut bien. Allez la fiche personnage. Alors, perception, c'est en cours. Je relance pas. Ok. Du coup, je regarde les autres en essayant de voir si eux, ils ont vu quelque chose. Enfin, ils ont entendu quelque chose ou quoi. En genre leur jetant un œil. Ceux qui sont... Il y en a un là, je crois, là. Il y en a par là. Rien vu. Bon. En fait, ils regardent un petit peu encore aux alentours, mais ils te laissent te concentrer sur la porte. Ok. Elle est comment, la porte? En bois. Oui, fermée. Et fermée. Est-ce qu'elle a l'air avec solide? Est-ce qu'elle a l'air facile à casser? Bah, elle semble quand même, ouais, une facture moyenne. Silver va murmurer aux autres, la porte est fermée, je vais être obligé de la casser. Faites passer le mot. Du coup, ça, le mot est passé. Et du coup, il est l'heure de casser des choses! Il se penche amoureux sur la porte. Pour qu'elle s'ouvre à doux. Qu'elle écarte ses chambres. Ça va sortir le marteau.
Elle va sortir le marteau. Attention, on rentre. Imagine, là, on toquait juste. On dit oui, bonjour, on voudrait s'engager dans votre groupe de bandits. Bla. Compris. Ouh. Oh, damage. Roll damage. Roll damage. Donc. Oh. Et bah, la porte. Bah. Casse. C'est vachement discret. Et donc je te fais avancer un petit peu à ce moment-là et tu vas juste te prendre deux attaques gratuites dans la gueule. Normal. C'était sûr. 4 attaques gratuites. Mais attends, il a pas pété. Attends, il a pas pété le milieu de la porte plutôt. Il savait qu'on arrivait. On a une tour. Ça c'est un mur plus grand. Non. Non, ça c'est un mur. Ah. Il me manque un dé. Du coup, pour l'instant, j'ai que le marteau. À moins que tu m'autorises à ranger le marteau au moment où je pète la porte. Non, 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 faut pas déconner là. D'accord. Eh ben écoute, j'ai que le marteau. Donc j'ai plus un en parade, donc je suis à 8. Ah, tu vas te faire toucher par 3 attaques. Tu savais qu'on était là, qu'on arrivait. C'est ça. Il a raté son jet de perception. Écoute, c'est pas grave. Alors, du coup. Attends, c'est lesquels qui vont toucher, ça sera ces trois-là. Donc, il y a un sort qui t'a évité, mais il y aura un tir de carreau d'arbalète qui, lui, va toucher. Et là, il y a du perce armure. Je vais commencer par le perce armure. Ok. Bon, 6, perce armure 2. Je pense que même malgré ça, ça fait pas grand-chose. Bah non, je suis à 10 de résistance. 9 pour le deuxième. Et 6 pour le troisième. Ah T'as pas contre-attaque, toi? Bah, il n'est pas au corps à corps. Mais il faut que je sois au corps à corps. Oui, bah excusez-moi de gruger. Hein. Écoute, j'aurais bien aimé gruger, mais là, bon, les mecs sont quand même à 20 mètres de moi. Tu vois, mais genre... pas d'effort. Voilà, je ne suis pas Storm. Je peux pas faire un bond de 20 mètres. Alors, pour aller au corps à corps. Distribution des cartes initiative. Je suis encore en dernière. Mais non, il y a Fizzle avant. Oh, non, j'aurais bien voulu avoir une bonne carte. Pour avoir calculateur. Ouais. Ah, Chef Kiss. On va pouvoir aller au contact. Alors, j'ai combien de... Je peux faire 12 mètres, normalement. Eh, là, il y a 15. Eh, je peux aller au contact de celui-là. Silver, il aura crié aux autres la position des types avant de s'y lancer. Mais on les voit pas, nous, de toute façon. Bah oui, mais il vous aura crié l'endroit où ils sont. Oui, oui. Ah, ils sont voilà, à l'intérieur. Hein. J'attaque, du coup, j'arrive et j'attaque lui, là. Ok. Ils sont à l'intérieur. Ah bon? Je suis passé avec mon fauchon. Donc j'ai un plus 2 pour toucher. Allez, il est temps de faire des dégâts. Allez, le fauchon. Plus 2. Allez. Bouya. Oh. Bon bah. Bouya. Bouillie. Bouyaka, bouyaka. Il est mort. Ah, mais non, il bouge encore. Il est trop mignon, lui. Pourquoi il est méchant? Lequel? Lui, je sais pas, j'en vois un là. On l'entend souvent, ce genre de phrase. Ouais, il est méchant. Parce que les véritables monstres ne sont pas forcément ceux qui ont l'air méchants. Chut. Eh bien. Et du coup. Je vais m'avancer un petit peu. Il y en a un là, ouais, déjà. Genre, je fais 8 mètres. Puis je tire. Ça, c'est une torche ou c'est un machin? Genre, je tire dessus, ça fait baril d'explosif. Non, c'est une torche. Ouais, on sait jamais. On n'est pas dans Red Dead. Ouais, on a le droit de rêver. Puis c'est une arbalète. Et du coup, je tire à l'arbalète sur lui. Enfin, on est d'accord que je l'avais chargé avant, l'arbalète. Oui, 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 oui. J'ai tiré sur lui, il a à portée courte. Sur le renne. Ça touche. Ça touche. Reroll les damage.
Oh, PA2 et seulement 6 points de dégâts. Je lance mon pénis sur le terrain. Par contre, va falloir rentrer parce que là, vous allez juste bloquer la porte. Après, je pense que tu peux te caler contre le mur pour avoir quand même une petite vision et un couvert. Un bon couvert, qui plus est. Mais... comme ça. Et ça laisse quand même la place aux autres de rentrer. Ouais. C'est juste, dans ma... j'ai cru que y avait une... j'ai cru que c'était plus grand. J'étais tellement dézoomé. Ah, je vais juste le mettre en attente. Le méchant, il est là. Je vais juste le mettre en attente. Le méchant. Il est là, le méchant. Mais et là, on se rend compte que c'est Olga. Et ça, oh. C'est le changelin. Enfin, je dirais que c'est un changelin. C'est pas un changelin? Où ça? Lequel? Qui? Où? Là, là. Là! Je vois pas! À côté du méchant! Mais il y en a plein! Ah là! Oui, non. Alors je vois pas, mais apparemment c'est par là. Alors donc du coup le renne va se restabiliser. Comme ça me perturbe le jeton spectateur qui vient de se poser sur le museau de Silver. Ah! J'ai une mouche! Bzz. Alors, on va commencer par la licorne qui est devant toi qui va te coller un petit ravage. Non mais Oscar. Tu vas devoir me faire un jet de force à moins 2, mon cher. Et moi? Oui. Jet de force à moins 2. Ah, j'ai... T'as beaucoup en force, de toute façon. Sachant que tu es en plus distrait. Je serai forcément distrait? Tu seras forcément distrait, tu me fais un jet de force à moins 2 en étant distrait. Ok. Bah, du coup, il faut que je clique sur distrait. Moins 2. Ça va. En gros, il t'a fait une grosse poussée, mais le vent, ça ne m'atteint pas. Ah. Ah bah, écoute, on parle d'un poney qui est quasi 3 mètres de haut, massif. T'as pas une petite rafale qui va le faire boucher. Ça se regarde juste un truc. Et je reste distrait? Tu restes distrait jusqu'à la fin de ton prochain tour. Ah. Ouais. À la fin du prochain tour ou au début? La fin du prochain tour. Ah. Et attends, non, il est pas à portée de contact, lui? Ou c'est bah le non. Qui... D'une, non, et deux, bah il a pas bougé. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est pas à portée de contact, il peut bouger. Il va reculer un petit peu. Putain, je regarde juste un truc. Ok, donc moi, il n'y a pas de... Tu vas te retrouver immobilisé par des... par de la glace qui t'entoure. Ça vient du renne. Elle retourne dans ton pays, le renne. Donc en tant que immobilisé, tu es vulnérable et distrait. Et en plus, tu peux pas bouger. Et tu peux rien faire d'autre que essayer de te libérer. Putain, mais genre. L'autre va juste se mettre ici et recharger son arbalète. C'est pas une attaque le fait qu'il essaie de m'immobiliser. Oui. Par contre, il y a une autre licorne qui te lance un sort. Ah, d'accord. Lequel? Elle. Ok, d'accord. Donc, je sais plus. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dégâts. D'accord, vu que j'ai 12 de résistance. 18, 12, ça te fait combien de dessus? Non. Oui, non, t'es pas encore enragé. Non, je suis pas encore enragé, donc 10. Donc ouais, tu te reprends deux blessures. Deux blessures? Ouais. Je vais utiliser un béni pour absorber un peu. Ok. Donc là, du coup, je fais encaisser. Ouais. Tu encaisses une blessure. Tu en auras qu'une et tu seras toujours secoué. Attends, parce que du coup, je suis distrait, vulnérable et secoué. Oui. Et mais... immobilisé. Joue bien le rôle du tank, tu prends tout dans la gueule. C'est bien, Silver. C'est bien, Silver. Silver, il se fait gueuler. Je vais vous défoncer la gueule, bande de... Très crédible par un mec qui est en saucissonné, tu sais. Ah, écoute. Béni qui me gêne. On ne sait jamais. Du coup, il se laisse enrager, le petit Silver. Écoute. Pour la vanne, t'aurais dû dire avant, au moment où ça arrive, déjà arrêtez de me frapper. Enfin, déjà, et là, il y aurait eu un rappel, tu vois. Oh, je vous emmerde.
Ça, c'est pas très, très gentil. Nous aussi, on t'aime, Galt. Mais c'est tous des... C'est quasiment tous des trucs de magie ou quoi? Parce que lui, on dirait une licorne. Ça tâche là, on dirait une licorne. Ah, fais gaffe, parce que des fois, il y a peut-être des terrestres qui y cachent des cornes. Ta gueule. Ah, ouais, souvent qu'on le croit. Bon. Alors, ça va être au tour de vos alliés. Yes! Il lui rentre, se précipite vers Silver, il va tenter de briser la glace. Yes! Brisons la glace. Et... Ouf! Il a failli faire un fumble. Ici, la madame. Rentre. Elle a dit qu'elle rentrait en dernière. Ah non, c'est pas elle qui rentre en dernière, bon, c'est pas grave. Elle va rester en dernière avec lui. Reine, je peux pas bouger, mais je peux peut-être choper un. Je peux peut-être choper le type et le balancer sur ses pattes. Non, non. Tu ne peux rien faire d'autre que d'essayer de te désentraver. T'es un saucisson là. Tu es un bloc de glace. Oh! Avec la tête qui bouge, par contre. À peine. Même la tête, elle bouge plus. T'es bien dans la glace. J'ai juste ce qu'il faut pour gueuler, parfait. Non, mais lui, il est trop petit, je le voyais pas. T'aurais dû prendre calculateur, Loupi. J'avoue. Ça va aller. Donc, la flemme. Elle va tirer à l'arbalète sur l'un des gars. Le renne. Elle est plus efficace dans Rito. Skoula. Ouais. Alors. Je vais essayer de courir. Limite, attends, je vous autorise à vous rapprocher un tout petit peu plus avant le début du combat quand même. Je vais aller là. Et ben, va là. Ça fait pile 10 mètres. C'est 12. Ah mince. Bon bah j'avance encore un peu. Là. Le chat. Ça va chier. Oui. Alors. Tu me gênes, tu te poses ou je te pose? Ah bah c'est bon, avec un petit ça passe. Un petit ça passe. Parfait. Comme ça, je dépense pas de PP. Kaboum. Kaboum. J'ai pas de kaboum. Mais j'ai la terreur. La terreur ou le sommeil? Les deux en même temps. Le sommeil. La terreur dans leur sommeil. Du coup, ils meurent de sommeil. Je me tâte. Choisissez. De toute façon, c'est je pense que le mieux, c'est le sommeil, et que si ça marche pas, faire la terreur. Ouais, mais attends. Terreur, c'est moyen ou grand avec 2 ou 3 PP de plus, et sinon c'est des cibles uniques. On va sommeil aussi, alors, non? Sommeil ouais, aussi. Ouais. Bah alors, je vais mettre le moyen, c'est pas grave. Attends. Ouais, ça me paraissait bizarre, le petit gabarit. Si on met le grand... Viens là. Oh, oh, le grand. Pour 3 PP. Ouais. Ah la vache, si ça marche. Mais si je les touche tous. On va partir. Oh, puis il touche aussi lui, là. J'avais pas vu le petit Loupi. Coquin. Oui. Ah ouais. Loupi, tu sais qu'est-ce que tu peux faire en plus de ça? Tu peux déplacer le cercle pour qu'il touche pas celui-là. Celui-là, il est en train de mourir de toute façon. Tu peux, si ça te tente, oublie pas que tu peux aussi dépenser 2 PP supplémentaires pour aussi mettre un point de fatigue. Ouais, mais j'en ai pas 50 000 des PP, donc... Oui, ok. Mais merci pour l'info. Non, mais j'en ai que 20, donc je vais essayer de pas trop... Pouf, pouf. Ça ne sera pas toi que je jouerai au bout de 3. 1, 2, 3. Bon. Terreur.
Le mec qui est à terre, il va se relever, il va courir dans tous les sens comme un poulet dans Divinity. Ah ! Oh, puis non, sommeil. Du coup... De toute façon, c'est les mêmes jets. Oui, c'est les mêmes jets, mais c'est pour... Ça me coûte 3 points en plus, le grand gabarit, c'est ça ? Ouais. Ouais. Ou 2 ? 3. Non, c'est 3. 2, okay. C'est le moyen. Ok, donc ils vont devoir réussir leur jet à moins 2. Alors, je vais commencer par ces 4 là. Et c'est des jets d'âme. Ouais, alors, réussi, raté. Déjà, je pense sur ces 4 là. Je déciderai ensuite lequel aura raté et réussi. Et sur ces 3 là. Reviens, toi. Réussi, raté. Donc il y en a 2 qui ont réussi sur les 7. Les autres. T'as pas oublié celui-là ? Non, oui, mais t'as... Oh, mais tu me laisses le faire ! Je l'ai compté. Ah, il était compté ? Ça fait bien 7. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi. Alors, donc du coup, on va faire. 1. Fais dodo ! Fais dodo, cola, petit bandit ! Attends, ils peuvent encore ne pas. Après, ils peuvent encore être réveillés. Ouais. Là où Terreur, ils auraient juste essayé de fuir. Ouais, mais il faut encore que quelqu'un aille les réveiller et que. Ouais. Mais Terreur, personne n'aura pu essayer de les. Oui, mais ils peuvent se réveiller, mais si on leur trucide la tête avant, ils vont pas se réveiller. Et aussi Terreur, ils peuvent continuer de se battre si ça fait pas un assez bon jet, non ? Ah, mais ils vont surtout essayer de fuir. Là, c'était les mêmes résultats. Ils doivent aussi faire des jets d'âme. Mais c'est pas grave, je ferai Terreur après. Seuls deux sont très bruyants, une tentative de réveiller physiquement, donc. Ouais. Ça va. Moi je suis plutôt contente d'avoir réussi. Fizzle, elle va s'approcher un peu, elle va pas forcément rentrer de suite. Attends, les autres ils font quoi là? Ils attendent. C'est ça, ceux qui sont devant la porte, c'est tous. On est d'accord que c'est tous des guerriers. Ouais. Des guerriers à distance, ouais. Et à distance. Maillon. Je calcule. Mais non, sinon là je vais la gêner elle. Je vais juste m'approcher là pour le moment. Je vais me mettre là. Et je vais caster mon loup. Caster ma bébête. Portée, intellect, mais j'ai des 10. Oh, il faut que j'améliore ma portée, sinon ça passe pas. Augmenter la portée, c'est un PP supplémentaire, je crois, pour la doubler. J'aime bien la musique. C'est ça, doubler la portée pour un PP supplémentaire. Bah écoute, je vais faire ça. Donc je vais faire une grosse bébête. Plus de dégâts et je peux voir à travers. Je peux communiquer et utiliser les sens de mon allié. Comme ça, je peux voir qu'est-ce qui se passe. Et je peux la contrôler à distance. Enfin, je peux toujours la contrôler à distance, mais bon. Et je vais la faire apparaître derrière lui. Bah parfait. Donc je fais apparaître mon garde du corps derrière, j'ai mal positionné. Ici plus précisément. Et ça va être la fin de mon tour à moi. Ma bestiole à son tour va l'attaquer. Va l'attaquer en sauvage. Dès que la fiche se sera chargée. Yes. Yes. Donc griffe améliorée, en sauvage donc plus 2. Raté. Pourquoi je m'emmerde avec les spéciaux ?
Ça sera un nouveau tour. Et attends, oups, j'ai fait une table des blessures, pardon. C'est pas ce que et en voulais. Plus, vu que j'ai tapé en sauvage, c'était vulnérable, il me semble. Ouais. Ok. Nouveau tour. Tour des alliés. Tu es encore dernier. Alors, donc du coup, le gars avec sa grosse hache... Putain, mais j'avoue, le là... Quoi? Va tenter de briser la glace. Qui? Yes! Vas-y, réussis, mon gars! Je disais, c'était encore dernier. Quoi? Il s'est arrêté! Mais non, mais je répondais à ce coup-là. Je regarde un truc. Pardon. C'est la première fois que je vois pour casser quelque chose qui entrave quelqu'un. Donc, faut que je vois comment ça se passe. C'est un jeu de force à moins de ou d'athlétisme. Ah oui, non, mais j'attends les autres. J'aurais également essayé de détruire pour l'immobilisation. Ah d'accord, donc ça va juste te libérer. Donc tu n'es plus immobilisé ni même entravé. Par contre, tu resteras vulnérable et distrait jusqu'à la fin de ton prochain tour, c'est-à-dire quand tu l'auras. Yes. C'est-à-dire là. Il y a Sun ici qui va se retourner et dire on est d'accord, on les zigouille tous, pas de prisonniers. Ouais. C'est pas la peine de demander à Silver, il est enragé. Bon, lui sera juste achevé dans son sommeil. Splek. Ouais, elle aurait pu aller tuer lui, hein. Au moins, on évite qu'il se réveille dans notre dos. Voilà. Après, en fait, je sais pas s'ils veulent des prisonniers, nos chefs. Ah non, non, il faut juste les exterminer. Ok. Bah, à la limite, on en... Si on arrive à en garder un, tu vois, bonus, tu vois, mais sinon... Préférablement le fait. Putain. Ah y est, le retour de la flamme qu'on connaît. Alors donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 dégâts. Bon bah le renne a pu le renne. À mort. Bah... C'est derrière, ça va continuer de rentrer. Qui c'est qui a révélé la prochaine carte là? Pourquoi il y a un roi là? Pas très sûr. Sûr que c'est un spectateur qui a cliqué dessus pour voir ce que ça faisait. C'est possible. Ouais, c'est peut-être Roger, il connaît pas. Oscar, ta pilule! Il l'a déjà prise. Mais... Ah allez, lui il va foncer et en exécuter un également. Mais à quoi je sers s'il oublie? Mais pas non, ses médailles. J'en aurais exécuté les deux moi. Lui rappelle. Qui ne peut pas se passer de toi. Oui. Et ça va être la fin du tour des alliés. Silver. Ah, tiens, je connais cette image. Et je rappelle que tu es toujours secoué. Je suis toujours secoué. Ouais, donc il faut que tu te stabilises. Ouais, il faut que je me désecoue. Dès que ça veut bien. Dès que ma truc arrête de bugger. Ça va être trop bien. Et non, pardon, tu n'es plus vulnérable, tu étais vulnérable tant que tu restais immobilisé. Alors, récupérer. Non. Je lance. Oh là là. Après, tu relances pas le jet, n'oublie pas que le béni, pour se restabiliser, c'est une restab gratos. Oui, non, mais enfin... Bref. Et ça va, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, excusez-moi. Parce qu'Oscar m'a montré un truc, ça va être trop bien, voilà. Ça n'a aucun rapport avec le JDR, pardon. Ah ok. Alors attends, si je fais ça... je suis pas au contact des deux à la fois. Est-ce que je suis considéré au contact des deux à la fois, là? Non, non. Comment ça? Non, non, lui il est déjà à terre, il est déjà en train de mourir. Ouais. En vrai...
Je vais aller là. Je vais aller là et achever celui-là. Là. Il est pas à terre, celui-là, là ? Lui, il dort. Mais je vois pas tes pings, là. Là, là. Ah, oui, non, lui, il dort. Il dort pas. Il est debout. Elle. D'ailleurs... Lui, elle dort, dort pas. Elle dort pas. Je devrais avoir une lanterne, non ? Bah non. Vous avez... au rappel, vous les aviez toutes éteintes avant de rentrer. Ah, oui. Bah, du coup, je vais la frapper, hein. Paf. Avec mon enragé, tout ça. Faut pas que j'oublie de monter mes jets aussi, parce que je suis à D12 de force tant que je suis enragé. Allez, la truc. Donc, force. Hop. Je suis donc à D12. Je suis à 12 de résistance. Et j'attaque avec mon truc à plus 2. Je vérifie juste un truc. Toutes ces attaques doivent être des attaques totales. J'ignore les niveaux de blessure aussi. Ouais, bah du coup, ça devrait être bon. Paf! Ça touche. Roll the damage! Ouh! Vu que c'est en attaque totale, y a pas des bonus que j'aurais dû mettre avec les dommages? Plus 2 dégâts, ouais. Bah, du coup, il y a un plus 2 à rajouter. Ok, bon, bah, elle est par terre. Autour des ennemis. Voilà. School à perception. Oui, pardon. Arriver dans tous les sens. Mais... tu ne vois pas. Je peux relancer ? Oui. Tant pis. Et est-ce que je peux faire aussi perception avec à partir de ma bestiole ? Non. Non. Je pense que c'est à partir de là. Ah, le bâtard. Enculé ! Oh, les bâtards. Et encore un. Putain, ils sont combien ? Trois attaques discrètes. Ok, ça va faire mal. Alors, ce coup-là, t'as combien en parade ? Avec ma rapière, j'ai 5. Ok, donc ça va être un toucher prouesse. Prouesse ? J'ai fait 10. Avec... bah ouais. En discret, c'est un peu plus facile. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus 4 ? Ouais. Oh putain. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, est-ce que c'est... s'il vous plaît. Ah oui, oui. Ce serait pas le moment d'utiliser un autre jour pour sauver ce coup-là. Au moins sauver ce coup-là. Ouais. C'est elle qui voit après tout. Un autre jour, c'est que sur un bonhomme. Ouais. Bah de toute façon, c'est que sur un seul perso. Une attaque en échec critique. Écoutez, le souci c'est que si on joue, enfin si je joue un autre jour maintenant, alors que c'est le début du combat. Tu penses que tu vas pouvoir te soigner genre juste après ou un truc ainsi ? Dans tous les cas, derrière, il y a Fizzle qui a qui peut se ramener. J'ai pas encore joué moi, donc oui, je pense que ça peut le faire. Ok. Puis combien ? Bah 2 secondes parce que j'étais en train de calculer et du coup, on m'a coupé dans mon calcul. Pardon. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dégâts, je crois que c'était plus que ça, mais bon, du coup. Non, t'en étais à 17, calculs. Chérie. Bon, bah je relance dans le pire des cas parce que j'ai tout perdu. Merde, je suis désolé. Désolé. Bah, c'est pas toi. C'est le qui, encore ? Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bah, ça pique. J'ai 6 en résistance. Ça te fait 12 dégâts, 3 blessures. Bah, ouais. Ça fait mal. Bah, on va et d'ailleurs, je crois que Silver n'a pas tiré sur la table des blessures, sur ses blessures. Je vais essayer d'encaisser. J'en ai fait. Avec un béni et un jet de vigueur. Tu encaisses 2 blessures sur les 3. Attends, parce que l'encaissement est censé être à moins 3 ou pas ? Non.
Donc deux blessures et je tire la table des blessures. Qu'une seule blessure du coup tu prends. Super. Ils aiment bien la contusion à chaque fois. Ouais, apparemment oui. Parce qu'effectivement j'avais oublié de le lancer tout à l'heure. Sinon, du côté des deux autres. Et ok. Flame et Hurts, eux, sont à terre. Super. Non, pas Hurts. Pas Hurts. Il raflure. Pire encore, Hurts est en hémorragie. Mmh. Ah. Il raflure. Lancer les raflures et ils vont se relever. Pas de suite, pas de suite. Bah, ça fait deux alliés à terre quand même. On n'est même pas sûr de combien il y a d'ennemis. Attends, parce qu'ils n'ont pas fini les ennemis. Oui, ils n'ont pas fini encore. Comme on a dit, c'est que le début du combat, donc... Alors, Silver, il y a encore une licorne qui te balance un sort. Mais qu'est-ce que t'as, le chat? Putain, m'aider. Du coup, je suis à 10 de parade. Résistance. 12 de résistance. Oui, 12 de résistance. Tu prends 14 dégâts, donc tu seras secoué. Ok. Et il y en a un autre qui arrive à ton cac. Et qui te fait 8. T'as combien en parade? Je vais avoir 9. Comment ça fait avoir? Bah, j'ai 9 parce que j'ai 6 de parade de base, plus 1 de blocage, plus 2 de mon fauchon. Donc je suis à 9. Okay. Bah voilà, c'est pas V, c'est tu as. Oui. Ok, il te loupe. Ah, contre-attaque. Tu es secoué. Non. Il y a si, si. Tu es secoué, tu ne peux pas contre-attaquer. Ah, j'avais pas vu secoué. Non. C'est pas juste. Ah, y en a une fois que t'aurais pu utiliser. Pardon, non, eux ils vont pas là, ils sont armés d'arbalètes. Ils restent là. Il y en a un qui se met juste un peu à couvert et l'autre qui va se mettre ici. Et deux. Silver, tu joues vraiment bien ton rôle de tank. Non, pardon, c'est pas ce dé là. Toi, hop. Ok, bon, ils t'ont tous les deux raté. Yes. Les carreaux d'arbalètes rebondissent sur mon armure. Ça va être rigolo. Pareil, là il y en a deux qui ressortent avec deux autres arbalètes. Et toujours sur Silver, hein, c'est le premier qui est visé. Non mais c'est une blague. Ils sont tous mauvais. Mais méchants. Ils sont en carton un peu, non? Wood. Eh bien, je vais me déplacer. Et tirer à l'arbalète sur celui-ci après avoir rechargé. Donc, moins 2. Prends pas de risque, prends pas d'action de héroïque ou quoi que ce soit. Ah, j'ai oublié le moins 2. C'est raté. Mais j'ai oublié le moins 2, excuse-moi. Ok. Skoula. Ah oui, je suis secoué, non? Ouais, et avec une blessure. Et avec la griffonne qui a essayé de t'égorger avec ses griffes, mais... Elle a juste bien dérapé sur ton poitrail. Et c'est un fumble. Pour se restab. Non, ouais, c'est mais... un 2-1. C'est un 2-1. Parce que t'as moins 1. Ouais. Bah, je vais claquer mon dernier béni pour me restab. Ouais. On a bien fait de lancer voilà la cavalerie. Oui. Ça va arriver au prochain tour. Je ne sais plus c'est qui avait dit qu'il fallait lancer avant le combat, mais très bonne idée. C'est moi. Je connais. J'ai moi. Je ferai des cookies. La bouffonne là. Ouais. Elle a voulu m'égorger. Ouais. Là, je vais tenter de la trancher. Voilà. Ok. Mais pas devant tout le monde. Mais c'est nul. Bah je me casse. Voilà. Sûr, parce que sinon c'est attaque d'opportunité. J'ai plus de béni, chérie. Non, mais pas je me casse, mais j'arrête de... Voilà, c'est de la merde.
Oui. Fizzle. Fizzle. Faut soigner Hurt. Ouais, mais d'abord je vais... Je vais jouer avec ma bestiole, d'abord. Ouais, si elle peut en attaquer, hein. Ouais. Non, ma bestiole, elle va aller foncer sur les gens qui attaquent Silver actuellement. Parce que sinon, il faudrait lui faire traverser la moitié du champ de bataille. Bah, ça va, hein. Ouais, ça ferait combien? Ça ferait 12 mètres et elle serait au cac. Ouais, mais ce sera abandonné, Silver. Ça serait laisser Silver qui se fait agresser d'absolument partout. Donc je vais aller en agresser un. Sachant que de toute façon, tous ceux-là, ils sont aussi... ils sont soit morts, soit mourants, donc... Non, il y en a qui dorment. Ouais. Celui-là va mourir. Non, ceux qui sont retournés sont sur le point de crever. Non, mais celui-là, il va mourir parce qu'il y a... Oui. Donc, lui, il va mourir parce qu'il y a ces deux-là qui sont... Bah, tu laisses le tour de Lucky, s'il te plaît. Pardon. Donc je l'attaque lui en sauvage. Est-ce que j'ai un bonus parce que Silver l'est aussi au cac ou pas? Oui, donc plus 3. Tu touches. Ça touche. Donc plus 2. Ouf. Toujours en général. Des morts. On est bien d'accord. Merde. Voilà, maintenant c'est autour. Maintenant, autour de Fizzle. Fizzle qui va. Donc lui, il saigne, mais il est pas encore mort. Tout cela, ce sont des alliés. Pour l'instant, je veux péter la gueule de lui. Je veux tenter de péter la gueule des trois. Oh, je sais. Attends, il me faut gabarit moyen. Gabarit moyen. Centré ici. Attends. Je pense que ça va lui mettre sur elle. Tac. Centré là. Avec un modificateur de sélection pour faire un ravage. Ravage puissant. Ok. Ça va pas toucher tout le monde. Il a modificateur de sélection. Ah oui, sélection, pardon. Donc sélection pour ravage puissant. Gifle de Damzar. Je me demande si je dois vraiment lancer les dés pour le coup. Je relance. On a vraiment pas de chance sur les jets. Donc, quand on est en fond bas. Moins 2 et de leur jet de force. Ouais. Et moi je m'enlève mes malins. Bon bah ils vont tous voler. Ils se retrouvent tous sur moi. Ah oui, ils sont tous distraits d'ailleurs. Ouais. Alors, hop. Okay. Donc du coup. Bon bah déjà lui. Je vais le mettre comme ça. Elle va un petit peu râper le mur et se retrouver ici. Et lui... Je pense que tu peux me lancer 4 fois, 3 fois les dégâts, du coup, 2d4. Explosif, on est d'accord? Oui. 1, 2, 3 et 4. 3. Pardon. Donc, de secouer. Ça sera un nouveau tour, je vais juste aux toilettes vitef. Oui. Ok. Je suis dans la merde. J'ai plus de béni. Tu les as endormis. Bah, à la limite, on utilise les raflures, on sauve nos alliés. Et toi, tu peux rester un peu plus en arrière pour prévenir les blessures ou quoi. Ouais, je pense qu'il va falloir l'utiliser. Les raflures ? Ouais. En espérant que les ennemis ne jouent pas tout de suite. Bah, même s'ils jouent tout de suite, on lance la carte et puis boum. Les mecs, ils se relèvent en mode « Ah, ça y est, on est bon !» Arrête de fake, là.
Comment il s'appelle déjà lui, le Earthwish? Urt. 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 Vas-y, relève-toi. C'est Urt. Il voulait se faire soigner par Christule. Et Trauburi. Et Raspberry. Et Raspberries. Donc. Par Diamond et Raspberry. Oui. Pardon. Wouh! Oh oh yes! Ce coup-là. Ah, j'ai calculateur. Non, tout le monde a fait des mini-jets. Non, c'est que les trois en fait. Les ennemis sont en deux. Ils jouent après. Ouais. On le met Éraflure ou pas, les gars? Je pense que c'est une bonne idée. Qui le met? Ouais. Moi j'ai déjà joué. Moi je vais regarder remonter. Ouais, garde remonter. Je pense que ça va être à. Je vais juste deux secondes avant de. Je vais devoir tirer deux nouvelles cartes parce que la cavalerie est là. Ah! Salut! On nous a demandé. C'est qui? Je sais pas. Oh! Redia! Ulrich! Ah, yes. Alors, donc, Ulrich a un 5 et Redia a. Bah, va jouer avant Fizzle du coup. Elle a un jeu! Elle a un jeu! Non, elle a un as de pique. Ah bon? Ulrich a un 5. Ouais, j'allais. Bon, il paraît qu'il y a de les. Hop là. Elle va se mettre ici. Il paraît qu'il y a du grabuche ici. Avec Silver qui est en train de gueuler à l'intérieur, ça doit faire de l'écho, tu m'étonnes. Ah, c'est par là. C'est par là, j'entends Silver. Ah oh bah attends, pardon. Elle était là, elle est passée à côté d'un gars. Miam. Comment ça, Miam? Elle le mord? Bah. Non, elle le mord. Elle va se battre, elle va faire comme avec la rapière de Skoula et les c'était les Timberwolf ou les crocodiles qu'elle les avait poursuivis en mode ri, ri, ri. C'est ça. Non, elle lui fera pas grand chose. En fait, elle essaye de le mordre et le mec il le repousse. Non mais arrête. Elle m'a blessé dans mon amour propre. Donc, je vais plutôt la mettre là, histoire de pas gêner le passage. Ouais. Du coup, je pose Éraflure pour celui qui va la jouer. Ouais, j'étais en train de me demander qui c'est qui serait mieux de la jouer entre moi et Loupi. Je sais pas. Il y a quoi d'autre? Il reste quoi d'autre? Parce que moi, j'ai coup de collier, coup de collier et un autre jour. Coup de collier pour ajouter un des 6 au total explosif d'un G. Au total d'un G. Un autre jour pour annuler complètement une attaque. Un autre jour c'est bien aussi, donc bah écoute, je vais la jouer au pire et puis tu joueras un autre jour ou un truc comme ça. Ok. Elle joue un autre jour. Non, pas un autre jour, Éraflure. Non mais c'est oh, la blague. Ah, ouais. Je joue pas aujourd'hui. C'est Loupi qui le joue. Oui. Éraflure, ok. Par il magie. Mieux. Il se relève. Je vais mieux. J'ai mieux. J'ai mieux. Du coup, est-ce que tu peux me dire rapidement dans quel état est Silver là? Enfin, est-ce qu'il est stun? Il est quoi? Enfin, il est juste secoué? Ouais. Ok. Ça veut dire qu'au prochain tour, tu vas pouvoir te débarrasser d'elle. Oui, forcément. Ok, donc je vais m'attaquer avec ma bestiole. Je vais m'attaquer sur la casteuse. Je lui fonce dessus avec ma bestiole. À nouveau, attaque sauvage. Raté. Ça passe? Non. Triste. Généralement, quand je dis raté, c'est que ça passe pas. Oui, j'ai pas entendu le raté. J'ai entendu le et. D'ailleurs, faut que je finisse. Et quant à Fizzle, elle va tirer. Elle va tirer un éclair sur le gars qui s'est retrouvé assommé, qui s'est retrouvé ici. Ok. Elle va s'avancer un peu et tirer un éclair.
éclair bien rouge. Hein. Que j'ajoute un modificateur de dégâts. Non, pas de modificateur de dégâts. Il faut que je garde pas mal de dégâts. Juste un éclair classique. Ok, ça touche. Bon voilà. Un éclair classique. À terre, au sol. Voilà. Merci le verre. Bien vénère la petite fiselle. Alors, du coup, ce que je vois à moitié, on va attaquer lui. Il est à terre, non? Oui. Hein. Bah du coup, est-ce que je peux l'attaquer lui, puis me déplacer et attaquer elle? Tu peux l'achever et attaquer. Achever ne demande pas de jeb et du coup, t'attaqueras l'autre à moins 2. Ok. Ça me va. Je fais ça. Et si tu veux bourriner encore plus, tu peux achever les deux. Et du coup, ça sera à moins 4 de l'autre côté. Non, 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 j'en achète Attends, qu'un seul. Tu fais bien le mettre dans la lumière, lui, s'il te plaît, 2 secondes. Il a l'air d'avoir une de... ses gueules. Ah oui, d'accord. À l'envers, je croyais qu'il avait un grand smile, je comprenais pas. Ouais. Bah du coup je vais achever lui, arriver sur, sur elle au corps à corps et la buter. Enfin okay. L'attaquer. Du coup... Donc, Fauchon. Et vas-y pour ton attaque à moins 2. Moins 2 plus 2 plus 2 d'ailleurs qui est plus est donc plus 2. Donc j'ai plus 2. À ton avis. Ouais, il y a le loup avec le plus. Ah oui, donc j'ai plus 3 en tout. Ouais. Ouais, donc du coup, le moins 4, ça aurait été une bonne idée. Juste un petit moins 1. Allez, plus 3. J'aurais dû mettre plus de joker. Bon, c'est pas Non, c'est très bien comme ça. Hein. Ouais, non, c'est très bien comme ça. C'est L'âme. Pas... Non, mais attends, il a pas encore sorti le dragon dans la l'arrière-boutique. Tu... Bah, il y a un changelin, il peut se transformer en dragon, hein. Vu que c'est une attaque totale, j'ai un plus 2, c'est ça? Ouais. Oh, c'est un petit jet. C'est un petit jet, effectivement. Ah, mais il y a le bonus damage. Ça meurt. Enfin, ça tombe. Ah, bah là. Bah là, elle est juste... je te laisse la volonté de l'achever comme tu veux. Non, lui, il joue. Niap. Je pense que c'est juste un scratch. Tu lui mords l'oreille, tu lui fais de Mike Silver, Tyson. Silver, il va prendre le fauchon et il va l'empaler entièrement sur le fauchon. Avant de repousser le corps par terre un peu. Et tu lui chuchotes, say my name. Crie mon nom, salope. Non, plus en mode. La boutique de mon papa fait des réductions pour les matériels. La guilde de Stalingrad t'envoie ses regards. Bon, enfin bon, t'es enragé, donc c'est plus... Oui, c'est ça. C'est mode... Ta bouche s'approche doucement dans son oreille. Et... Tu lui lèches la joue. Ça a le goût du mensonge. Non, c'est plutôt... C'est plutôt je l'empale, je la balance. On continue. Bref. Ah, vous êtes insupportable. Alors... Oui. Oui. La flemme ici... va se reculer tandis que elle va s'approcher pour donner coup d'épée dans la gueule de celui-ci là. Ok, paf, il sera secoué. Lui, il va arriver achever le gars là et repartir. Je sais même plus comment il s'appelle. Little Wing. Il achève ce gars-là. Il s'approche. Il se met à côté de Silver. C'est qui lui? C'est le chef des Black Hole. Ah. Il est minuscule. Il est trop beau, wesh. Oui, mais il est tout petit. Et alors? Une lumière pour voir. Alors, Earth, il est petit, pourtant il défonce les gars. Mec, l'air smug qu'il a sur la gueule. Non, mais... Ça, c'est achevé. Non, mais franchement, moi j'imagine extrêmement bien, tu vois, Silver le regarder, l'autre le regarder,
et en mode yit. Et le boréoul va tirer. Oh, il y en a encore plein palette. Derrière. Mais louper le griffon derrière. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ceux de derrière aussi. Hop. Ah, c'est bien, il a oublié de faire jouer des PNJ, vous voyez que ça se passe. Non, j'ai oublié pour ce tour-là, mais de toute façon, il joue en dernier, donc ça va. Bon, par contre, Uric va juste attendre de que ça se débouche pour entrer. Tu m'étonnes. Wood ! C'est un peu en bloc. Bah, je vais faire la. Ouais. LS, ce serait bougé là. La même chose, quoique. Il a l'air maîtrisé, lui. Je vais. Tu peux passer. Si tu passes là, normalement, ça devrait être bon. Non ? Jusqu'ici. On est d'accord que le rocher là, il est un peu élevé. C'est des colonnes. Là. Ouais, bah je vais me mettre comme ça. Et ça m'a fait bizarre de. J'avais cru voir double un moment. Je vais achever celui qui est là alors. À l'arbalète. Ok, bah faut quand même lui tirer dessus. Oui. Je le jette. Tu qui ? Celui qui est au sol là. Celui-là qui dort. Tu gâches une flèche pour ça ? Bah, je préfère pas prendre de risques, et parce que je peux pas toucher quelqu'un d'autre. Bah, y'a elle. Oui. Ah, je l'ai pas vu, j'étais trop zoomé. Je peux rétracter. Oui, tu peux. Tirer oui. Sur elle. Je t'ai fait l'arbalète à la visiteur. Mais en fait, la flèche, elle allait atteindre le cadavre. Elle corps. Stylée, par contre. En fait, non. You. J'ai fait semblant, en fait. Toi, elle pensait que je visais ailleurs, et puis pas, je la mets dans mon dos. La flèche fait ça en fait. Est-ce que je garde le même jet ? Oui, tu gardes le même jet. Le trick shot. Il a tiré sur une torche. Ok. PA2 en plus. À terre. Easy. Scoula ! Ce que vous leur avez dit. Ça va en faire des gars dans le dossier RIP. Il est avec nous, lui ? Oui. Elle. Ouais, bon, c'est pareil. Je sais pas. Redia, elle a l'air de gérer ou pas ? Oui, en plus, elle a été aidée par elle, justement. Ok, alors. Lui, il est avec nous ? Oui. C'est lui qui a sorti Silver du bloc de glace. Ah oui. Je peux pas passer là vu qu'il y a Boréoul sur le. Bah, tu peux te. Avec son gros cul. Boréoul et son gros cul. Je vais aller là. Et. Je vais faire un sort de terreur. Alors attends, parce que va falloir payer cher là. Déjà. On va y arriver. Il y en a 4 là, il y en a ici. Ah, je le vois pas. Donc je considère que bah, je le vois. Je vois elle, celui-là et un là-bas. Ouais, bah parfait. Du coup, donc ça me fait 2 PA en moins, sachant que la distance est trop grande. Attends. Si tu veux la doubler, c'est 1 PP. Parfait. Donc, 1 PP en plus, 5. Oh là là, ça pique. Hein. 4, 5, 6. Ok. Client de ceci. C'est parti. Alors, tu en touches 4. Oui. Alors, où sont mes dés ? Là et là. Alors, un petit jet d'âme à moins 2 pour tout ça. Réussir, raté. Oh non, il y en a qui réussissent. Ouais. C'est nul. Crevez. 2 sur 2. 2 sur 4.
Ok, je vais noter ceux qui ont l'air d'avoir été terrorifiés. C'est ça. C'est les extras qui sont paniqués, les jokers fangés sur la table des terreurs. C'est vrai, oui, mais t'inquiète pas, je sais bien. Non, mais ça va. Je lisais pour moi. Du coup, vu que l'entrée est libérée, je fais rentrer Ulrich. On est d'accord que tu hurles, Silver. Je crois qu'on a entendu, ouais. Je crois que son micro a pas capté, mais je crois qu'il hurle, effectivement. Oui. Bravo la discrétion. Bah, hein. Oh bah écoute. Après qu'on ait fait tout péter. Et déjà, les scènes de combat. On n'a pas pu rentrer discrètement. Attention, on entre. Ok. Oh là, j'avais pas vu celui-là. Oh, c'est quoi ça? Oh, y'a Dark Kiku là-bas, les gars! S'il vous plaît, celui-là qui se réveille et qui saute sur Axolot, qui se, s'y attendait pas. Mais putain... Pourquoi tu cries alors qu'il y en a qui dormaient? Mais il est enragé. Oh, mais quel gros con! Oh putain de merde. Je crois qu'Axolot, ça va être... Ouille. Ah, il est trop beau. Ouille. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Oui, bon, bah il est mort, on a compris. Le pauvre. Ouais, là il a juste été égorgé directement. Le gars il se réveille et paf, d'un seul coup il peut taper. Même pas essayer de le sauver, rien. Bah c'était son tour. Hein? Bah c'était le tour de celui-là. Oui, non mais d'accord. Donc le gars il s'est réveillé d'un seul coup, il peut le... Non, bah en plus il a fait un fumble pour le coup sur son jet de vigueur, c'est assassiné direct. Bah c'est nul. Merci Silver! Crie plus fort! Ah donc elle qui est paniquée, elle se réfugie dans ce coin-là. Faut que je passe un jet d'allure. Hop. Lui, pareil, il va. Oh, secours! C'est des tarés! Mais qu'est-ce que tu glandes, mec? Trouillard! C'est des tarés! C'est des malades! Putain, il y en a deux qui partent, il y en a 50 qui reviennent, il y en a combien? C'est ce que je me disais aussi, il y en a beaucoup. 50! Bon. Putain, vous êtes sérieux, les gars? Mais vous êtes sérieux, la loose de la muerte me protège! Non, tu es la loose de la muerte, donc tu te protèges. Justement, je me protège. Oh, attention, il y a Dark Kiku qui arrive avec ses deux putes, là. Vivement qu'il fasse un fumble en descendant les escaliers. Faut juste que je retrouve. Est-ce que j'ai revu des connards? Des connards qui nous avaient attaqués. Bah, c'est eux, hein. Oui, non, mais je vais vérifier lesquels... Personnellement. Lesquels personnellement? Là? Ouais, alors... Ah bah tiens, celle qu'on vient de buter là avec Silver, c'en est une. Ça fait toujours plaisir de revoir des têtes connues. Yes. C'est comme quand tu pars en vacances et que tu reconnais des vacanciers... C'est qui reste plus grand. À qui t'as passé des bons moments. Il reste plus grand monde. Ok. Bah, c'est un nouveau tour. Yay! Si je joue encore en dernière, je rage quitte. Mais non, tu joues pas en dernière. T'es pisole. Non. Ah bon? Oui. Ah oui. Enfin bon, je suis encore dans les derniers. Pardon, j'avais oublié vraiment de... une blague. J'avais oublié de claquer un des bénis. Redia. Merde, j'ai plus ta fiche, Redia. Est-ce que j'utilise un béni pour tirer une autre carte? Ben, fais-le rire. Bah, fais-le maintenant. Hein. Bah, vas-y maintenant, parce que je commence le tour, là. Ouais, pardon. Je veux tirer une autre carte. Tire. Un 2. J'espère que tu as bien apprécié ton béni. Ah, j'ai calculateur, c'est bien.
Donc en attendant, Redia, elle attaque, elle touche. Tout va très bien. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et le gars est hop, à terre, après l'avoir bien mordu. Bon, alors. Salut toi. Au revoir. Donc. Sprouche le cerveau. D'un coup de sabot. Il est où, Ulrich? Ah, ok. Alors, voilà, vous êtes en carrément en supériorité numérique, là, c'est bien. Je le sens pas. Alors, donc, du coup, la flamme. Ouf, bah, la flamme, elle est vénère. Ah, bah, il y a un de ses collègues qui est mort. Ouais. Ok. Est-ce que je. Voilà. Directement, un gros coup de carreau dans la gueule et il tombe par terre. Elle va s'avancer, lui va s'avancer et l'achever. Il peut pas achever lui aussi au passage. Ah oui, tiens, je l'avais oublié. Non mais pas Sun, Boréal. Oui, mais Sun le fait pendant que Boréal fait l'autre. Ouais, comme ça, ils servent à rien. Les deux autres licornes à l'extérieur, Fizzle, te demanderont de rentrer quand même. Mmh, je rentrerai. Et je crois qu'on est... Ah non, il y a... C'est ce que je comptais faire à mon tour. Little Wing qui va sortir une arbalète et tirer sur un des poneys. C'est pas grand-chose les dégâts. Genre, pas grand-chose du tout. Silver! Alors, là, du coup, je suis perplexe, parce que j'ai 4 cibles en face de moi. Tape, ça fera des trucs. J'ai ça, 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 ça... Allez, on va prendre dessus. Au pire, tu tapes plusieurs cibles. Oui, mais non, parce qu'il faut que je me déplace à chaque fois. Ah ! Tac, et attaque totale sur sa tête. C'est dommage que t'aies pas balayage. Balayage, il faut que tous ils soient tous au contact au corps à corps avec moi. C'est une seule attaque, il me semble. Alors, du coup, je l'attaque lui. Du coup, j'ai un bonus d'attaque totale. Plus mon bonus de base. De plus 2. Plus 4. Petit G. Ça passe, mais petit G. J'ai plus 2 aux dégâts. Mais il n'a pas dit me jeu si ça passait. Si ça passe. Je relance les dégâts, je peux ? T'as le droit. Je relance les dégâts. D'ailleurs, tu touches avec prouesse, si je ne m'abuse. Oui, mais bon, 5 dégâts, merci quoi. C'est un peu mieux déjà. Je sais pas si ça lui fait des blessures ou pas, mais. Là. Au sol. Je vois Dark Sasuke. Tu l'as vu? Au début, je voulais en faire un gentil. Mais bon, vu sa gueule, c'était pas trop possible. Mais non, il est trop beau. Il a trop la classe. Il porte la gueule du méchant, je ne sais pas. Penchant amoureux. Non, tu peux pas. T'as déjà utilisé une carte. Je sais, quelle tristesse. Bah oui, mais bon, d'ailleurs, j'ai fait une faute de frappe dans sa race, c'est marqué bateau pony. C'est parce que c'est le changelin. Il est où le changelin? Je sais pas. Il est pas là. Vous le voyez pas en tout cas. Oh putain, il s'est déguisé en torche. ce serait tellement pété quoi. Il fait chaud. C'est le rocher, tu sais, là. C'est ce rocher-là. Bref, Wood.
Bien, vu que j'ai calculateur, je peux recharger et tirer en même temps, mais je vais me déplacer, donc. Suivre le reste des gens. Rester pas loin du groupe. Attends, comme ça. Et c'est un peu très sombre. J'hésite à tirer sur Elba de Fondy là-bas et l'autre qui est tellement sombre qu'on voit pas les détails de son visage. Faut pas se rouler dans du pétrole, monsieur. Bah, pourquoi ? Et je bute. Je vais vider là-bas. Là-bas, c'est des ennemis, on est d'accord. Là. Oui. Là. Comme j'ai calculateur, j'ai pas le malus de charger et tirer, mais je vais avoir juste le malus de distance. C'est moins 2, il me semble, en distance moyenne. Tu auras juste besoin de marquer distance, ça va te le demander, ça va te mettre distance, portée moyenne, courte, moyenne, longue. Non, pas forcément, non. Bon, ça n'a pas l'air de me le demander. C'était sur l'ancienne fiche, ça. Je relance. C'est sur qui que tu touchais encore, que tu visais ? Là. Elle, ouais. Ah, ça touche entre les deux. Ça fait 9. Entre les yeux. C'est triste quand ça fait 1 les bonus damage après une relance. Elle sera secouée du coup. Scoula ! Faites leur la gueule. Je vais Tous ces cadavres autour de vous là. Ah bah là les mecs ils récoltent ce qu'ils ont semé. Qui sème le vent récolte la tempête, c'est dirait certain. J'ai avancé. Ici. Parfait. Alors. Sommeil. Ouais. Putain de ta mère. Commencer par les deux extras. Raté, réussi. Nickel. Et l'autre. Mais je sers à rien. T'en as quand même. Donc il y a cette Bad Pony qui est. Cool, elle sera la première à mourir. Fais dodo, salope. C'est nul. Là, ils vont m'attaquer, je vais mourir. Au revoir. Bah, tu vois, j'avais oublié de leur mettre du coup lui. Bon, il agira en même temps qu'eux. Eh, mais il n'y a plus de licorne en face. Merde, on les a presque tués trop vite. Non. Parle non, pour toi, hein, qu'on casse tout. Alors, celle-ci. Je dis les licornes. Ouais, voilà. Elle arrive avec sa grosse épée. Le reste. T'as combien en parade ? 5, 6, attends. 6 ? Attends. 5 ou 6 ? 5. Ah, donc ça touche. Dommage. Bon bah, au revoir les gars. Alors... J'ai plus de béni, j'ai un dé en moins. Non mais c'est une blague ! Quoi ? Et bah heureusement que c'était une attaque totale, parce que du coup ça fait 5. Bah c'est bien, j'ai 5 en résistance. Bah ça te secoue. Ouais. C'est tout. What else? Elle, tenter de se restabiliser, elle se restabilise. Les Dark Kiku. Jour en dernier Dark Kiku, je pense. La zèbre qui dit, ça sert à rien de focus le tank, les autres ils sont efficaces, on se débarrasse d'eux en premier. Ça sert à rien de focus le tank. Il est plus... Comment ça, il est pas efficace? Non, il est beaucoup trop tanky. On focus les autres d'abord.
Alors, Earth, Boreal et Wood prendront un carreau, peut-être, peut-être. En tout cas, ils sont visés. Bon, bah, pas Wood. Alors, le Earth sera secoué. Et le Boreal. Il me manque un dé, il est où ? Le Boreal, à terre, le Boreal. Par terre, le Boreal. Oh. Désolé, Boreal. Oh non, mais qui va me draguer maintenant? Attends, il est mort? Oui. Il s'est pris un carreau en plein milieu du front, entre les deux yeux. Il tombe dans les bras de Wood. Ah non. J'ai une arbalète, je peux pas l'attraper. Bah, à côté, du coup. Bah, oui. Marie Boreal. J'espère que, ça, que c'est pas un schéma de ce qui va se passer demain. Hein. bah, c'est... C'est tout du coup. Ah oui, non, il y a celle-là, mais celle-là pour l'instant elle dort bien. Donc Fizzle. Ah non, pardon, d'abord il y a le monsieur qui s'approche ici. N'oubliez pas qu'on a encore la carte ralliement hein, qui peut servir. De... Il se rapproche de ce coup-là, mais il va juste faire un jet d'intimidation. Vas-y. Juste en te regardant et en approchant d'un air menaçant. C'est nul comme intimidation. Et là on utilise un apaisement. Il va faire 50, je vais rien. Tu vas me faire un jet d'âme, s'il te plaît, du coup. Mais je suis secoué en plus. Utilise apaisement. Et puis penchant amoureux. Mais j'ai plus de cartes, de toute façon. C'est quoi, je suis secoué. Âme. Oui, mais je suis secoué. Ouais, mais tu fais quand même un jet d'âme. C'est là, c'est contre l'intimidation. Ok. Du coup, tu seras distraite. Super. Fizzle. Fizzle. On est d'accord que lui c'est un connard. À côté de mon lien. À côté de mon chien. J'allais dire. Ben on va lui attaquer la gueule. C'est lui qui a tiré sur Boreal. Elle, oui. Bon, c'est un des trois, j'ai pas fait gaffe lequel c'était. Ok. On va lui exploser la gueule avec le petit loulou. Il n'y a pas le plus 1, ils sont pas vraiment encore au cac avec... Oui, oui, mais attaque totale, toujours. Oui. Oui. Loulou énervé. Ah oh bah pour une loulou fois qu'il sert à quelque chose, le loulou. Ouais. Là, je suis content, là, il a fait du boulot, là. Crêpe salope. Et Fizzle qui va... Attends, il faut que je calcule mes distances... le maximum que je puisse faire, c'est 12 plus 6, 18. Non, c'est 6. 6 et 6, 12. Donc, je peux faire maximum 24. Ok. Ben, je vais tenter de courir et de blaster ce connard. Qu'est-ce que vous avez avec les genres? Ça se voit bien que c'est des gonzesses quand même! On s'en branle. On met genre si on veut. Genre neutre. C'est un genre neutre. J'ai dit ça au genre neutre. Ouais. Donc tout d'abord, manger de course. Ouais. 7, donc 14. Vive le jet de course. Oscar qui vient de voir que Boreal est mort. Bah Oscar, 3 trains de retard. Hein. Ouais mais il s'était absenté 2 minutes. Et comme d'habitude. Pas toujours au bon moment. Donc un petit éclair magique sur la gueule de ce bandit genre neutre. Je vais pas mettre de modificateur de dégâts à nouveau. Pardon, j'ai oublié de mettre le moins 2. Est-ce que je relance? Non, je ne vais pas relancer. Il faut que je garde mes bénis. Ok, donc, vas-y, fais les dégâts. Ah mais oui, je suis con, ça a touché. Au moins, un 4, c'était pas réussi.
Bon, ça a fait 7. Ok, dommage, on restera secoué. Qui est secoué? Une batte panique, tu vois pas. Ah d'accord, pardon, j'ai rien dit du coup. Je croyais que c'était un de ceux-là, là. Oh. Oh. Ou eux pas contents. C'est nos alliés en plus. Ouais. La flemme qui s'avance. Bande de salauds! Vous avez tué mon copain! Ah non, il y a le Joker, donc il rate pas. Vous avez tué mon copain! C'était mon mec! Des fois. Alors, ok. Hop, à terre. Celui-là. Ici. Earth, pareil, il va tirer. Toucher. C'est pas les bondés. Sonner. Enfin, secouer. Scratch qui est un petit peu dans la. Dans le déni, qui essaye de sauver Boréhoul. Non, mais il y a autre chose à foutre là. Ouais, mais bon, excuse-moi. C'est vrai que ces deux-là, ils vont refermer derrière. Et lui, il va se faire squeak fini. Elle va arriver. Le qui ? Un carreau entre les deux yeux, c'est fatal, apparemment. Raté. elle arrive. Elle... Ah bah non, t'es au cac, donc du coup, elle arrive à rater. À réussir, pardon. Elle arrive à rater, elle arrive à réussir son jet. Bon bah d'accord, elle a pu. Faut juste que je lui fasse un jet pour ça, on s'en sort. Ok, tac, à terre. Je crois que... Ah non, il y a lui. Hop, le petit Little Wing qui réussit. Bon d'accord, il est vénère, il se casse. Wait. Oh. Mais non, pas toi. Oh. Je suis gouré, c'est lui qui meurt. Vénère le petit. Oh, petit mais puissant. Silver. Alors, il faut que je me désecoue. Allez! Putain, il a même un nom de Kiku! Quoi? Midnight Kiss! Ah, vous voyez le nom? Oui! Ça fait oui. Un moment qu'on voit le nom. Oups. Je pensais que c'était un nom. Mais attends, j'ai pris une. J'ai pas été attaqué au tour dernier! Si. Oui? Si. Tu t'es fait secouer. Bon, bah, moi, je peux rien faire du coup. J'ai échoué. Redia. Ça va être sûrement pareil pour moi, t'inquiète. C'est dommage. J'ai la possibilité d'aller attaquer Darkiku. Diesel. Inquiète, moi je vais aller au cac. Alors, qui c'est qui est mort à côté de nous ? Lui, il est à terre, il est en train de se vider de son sang. Mais pareil. Il y a d'autres connards par là, il n'y a pas l'air. Ah. Bon, on peut courir. 12. Ah, mais là, tu passes à travers le mur, là. Pardon. Bon, ben, il va sprinter, il va s'attaquer à lui. Mètres. Là, qui s'attaquait à lui. Toujours. Toujours attaque totale. Hein. On s'emmerde pas. Est-ce que ça touche? Ah, pardon, j'ai oublié, il y a une attaque de. Une opportunité. Frappe éclair. Ok.
Combien de parades, le loulou? Le loulou a 5 de parade. Ok. Hop. Euh, 8, 9, 10, 11 dégâts. J'ai 7 de résistance. Au revoir le loulou. Non, j'ai résilient. Donc bah, il tanker prend une blessure. Ah oui, c'est vrai, donc il a une peut blessure. Tanker, ouais. Il peut tanker une oui, blessure. Oui, oui, et c'est bon, il la prend ta blessure. Voilà, pardon. Prends-la ta blessure. Non, rageux, Ruru. Ah, rageux. Rageux, il... on se comprend pas. Du coup, je peux faire manger d'âme ou pour tenter une blessure? Bah, du coup, non. Ok. Bah, du coup, c'est en début de tour, ça. Ok. Du coup, Fizzle, elle va s'avancer. Et elle va tenter de ouais, elle va faire ça. Ça va être très simple. Elle va lui lancer un sort ravage dans la gueule, à ce connard. Alors, faut que je vois gabarit moyen. Ah non, l'autre est d'or. Donc faut que j'évite de la toucher elle. Voilà. Avec un truc pour éviter de toucher mon loup peut-être, je sais pas. Tu peux pas juste faire un petit gabarit et juste viser le mec? Non, ravage c'est gabarit moyen ou gabarit de conne. Ah merde. Ou sinon je touche pas mon loup parce que dans tous les cas mon loup va crever à la fin de ce tour. Ouais, je vais faire ça. Donc, gabarit moyen. Est-ce que j'ai encore de la mana? Ouais, je vais mettre en puissant. Et normalement, c'est ma portée. Normalement, ouais, c'est très clair. C'est très largement ma portée. Donc, en puissant. J'ai de force à moins 4. Et il est distrait. Et je vais ils veulent même pas. Jet de... Même pas. Même pas. Et du coup, je vais aussi faire le jet de force à mon loup. De toute façon, t'as dit qu'il disparaissait à la fin du tour, donc supprime le direct, ça nous fera gagner du temps. Ouais. Sauf si tu le maintiens. Je... Tu sais quoi, je vais faire son jet de force, et si jamais il réussit, je vais le maintenir. Même si lui aussi, il le fait à moins 4 avec distrait. Mais ça passe. Voilà la fiche que tu veux bien charger. J'ai de force. Moins 4. Bon. Bah, oui. Il va dépop. Okay. Il va s'éclater contre le mur et. Mais il est distrait quand même, la bestiole. Eric s'avance. Ce coup-là. Eh, attends, t'as un 10 ce coup-là. Waouh! Bah, écoute, moi, je suis distraite, secouée, j'ai une blessure, j'ai plus de vigueur, j'ai plus de béni. Je suis censée faire quoi là? Je sais même plus ce que ça fait, distrait. Distrait, c'est t'as moins 2 sur toutes tes actions jusqu'à la fin de ce tour-là, du coup. Je peux même pas me casser, quoi. Je vais. Si, tu peux bouger? Bah non, je suis secouée. Tu distraite. Peux quand même bouger quand tu es secouée. Ah bon? Bah oui, je l'ai toujours dit. Je peux quand même tenter de me restab. Oui, oui. Bon, ça va pas marcher, mais... Tu peux te déplacer de ton allure. Ouais, bah je vais y aller, hein. La la la. Et on va aller voir ceux qui vont voir là, hein. Je vais aller là. À côté de Hurt. Protégez-moi, il y a un grand noir, il a pas l'air très commode. Elle est un peu raciste, madame. Bah, il est noir, il est gris. Il y a un grand black. Bon, il y a un grand poney, il a pas l'air commode. Hein. Wood! Silver, en l'aide! T'imagines ce coup-là en Silver, il y a un gros à taper! Toi,
Ah mais toi tu crieras pas comme ça, t'es grave. Ouais. Genre les oreilles qui sifflent. C'est quoi ce petit gabarit là qui apparaît? Je regarde. C'est mon molotov. Ah oui. Je vérifie ça. Je les avais pas oubliés, c'est juste qu'à chaque fois que je voulais les lancer, je me disais il y a trop de chances que ça touche quelqu'un. Ouais, là il est bien seul. Au début, j'aurais bien voulu qu'il soit avec quelqu'un d'autre, mais je vais pas prendre de risque. Je vais aller derrière Sean. Enfin, quoique elle est avec nous aussi. Oui. Je vais aller comme oui, ça. Oui, elle est. C'est pour me mettre bien prêt. Lancer ça. Yit. Normalement, c'est portée courte. J'ai juste à faire un jet d'athlétisme. Ouais. Tu vas y arriver. Oh, oh bah oui, tu arrives bien là. Ça fait quoi avec une relance hein, je... Bah, ça fait toujours un D6 en plus aux dégâts. Donc, ah oui, c'est les... Ah, mais t'aurais dû cliquer directement sur. Ah oui, non, t'aurais dû le mettre en arme. Bon, bah, c'est pas grave. Je ne l'avais pas lance, en arme. Lance 2D4 plus 1D6 explosif. Plus 1D6. N'oublie pas les points d'exclamation, c'est bien. 12 c'est pas mal, dégâts. 12. Est-ce que je relance les gens? Non, c'est mon dernier béni, on sait jamais que je finis au sol. C'est surtout en plus, il me semble qu'il faut que tu lances. Non, on relance pas. En vrai, c'est bien 12. Hein. Alors, il se le prend en pleine gueule, ça le secoue. Il y a eu quelques flammes qui sont tombées, non, il s'enflamme pas. Au moins, il est éclairé. C'est déjà bien. Et puis, il est éclairé. Mais c'est quoi ce cheater là? Eh hey, le c'est modeur, t'es pas invité hein. Dark Sasuke. J'ai la flemme de lui mettre une lumière, mais de toute façon ça sera que le temps de ouf et puis les flammes elles disparaissent rapidement. Y'a une lumière qui brille au fond de toi. J'allais dire, bon qu'est-ce qui glande là, c'est leur tour, bah en fait c'est... Attends. Il y en a deux qui sont en terreur. Un qui est endormi, deux qui sont à terre. Ouais, d'ailleurs, elle se réveille pas parce que j'ai... Ah non, c'est je me suis gouré de dés. En ça, monstre. Mais ils sont pas censés se réveiller s'il n'y a pas de bruit. Bah, il y a quand même eu un gros wouf devant elle et il y a toujours Silver qui gueule. Et en un combat, il y a quand même un peu de bruit. Mais de toute façon, ouais, elle rate. Dans ce cas-là, le sort de sommeil sert à rien en combat. Bah, en combat, il n'est pas évident à placer. Franchement, il nous a bien servi, hein. Ouais. Ouais, parce que du coup ils perdent un tour à chaque fois. Il y en a qui ont pu être achevés. Si, si, ça sert. Si, mine de rien, il y en a 5 ou 6 qui ont été achevés qu'on aurait eu plus de mal à battre. Mine. Mais il y en a quand même un qui a tué machin. Alors, il va tuer les deux là, c'est sûr. Oh. Donc, il fait une double attaque avec ses sabots à sabots nus. Les deux touchent bien. Les deux touchent putain de bien. Alors, les dégâts. Je vais regretter d'être aussi près de l'action, moi. Et donc ça me fera au moins à terre, et pareil pour elle. Maintenant, leur dé pour savoir... Non. Elle se prend juste à terre. Donc, la Bad Pony sera en hémorragie. Putain, quelle merde. En fait, pas, je vais tanker. Oui. C'est l'heure d'un nouveau tour. Là, voilà. Et je saute dessus avec le molotov en mode chose. Adieu, Tintin Anne. Voilà. You move with Wi-Fi, it's so. You move with Wi-Fi, it's so. Allez, on y croit. J'ai calculateur, mais il joue avant moi. Au secours. Allez, on y croit. C'est toujours secoué, il me semble, non? Bah oui, je me suis pas dessoué le dernier tour. Vas-y, hein, récupère. J'essaye. Ouais, tu peux toujours te déplacer, n'oublions pas. Ah allez, attaque. Attaque le gros pavot. Utilise il est où le gros pavot? Il le voit pas. Non, mais je sais qu'il est parti par là. Ah, utilise vive attaque. Alors, attends, déjà je vais jeter un jeu d'allure. 42, tu fais 84 mètres. Déjà je me désecoue, jeu d'allure. Oui, mais non, ça c'est pas l'allure. D'allure, ça. Merde, c'était pas l'allure, pardon! 22 mètres!
Nice. Tu vas aller derrière lui. Il y a Silver qui va faire un dérapage. Il est là. Alors attends. Parce que déjà, il faut que je fasse. Comment tu vois jusque là? Tu es censé avoir un. Non, je vois jusque là. Je vois dans cette direction. Où ça? Je savais. Mais là, attends. On voit pas. Je suis. Mais avec, je... mais avec une flèche. Je suis là, je peux voir là, moi. Mmh. Et tout à l'heure, j'ai vu que le tunnel, il faisait comme ça. Et vu que je sais que là, il y a ça, que ça fait comme ça, je sais que je peux aller comme ça et comme ça pour atteindre l'entrée. Ah, mais tu le vois pas, le gars? Non, je le vois pas. Bah, c'est ça que je demandais. Ah, bah non, mais au départ, je vais faire comme ça. Parce que ta flèche était vachement précise. Bah, pas comment vraiment, elle était en train de rouler sur des gens. Oui, mais il posait sa flèche à côté de lui, littéralement. Bon, laisse-le faire, là. Vas-y. Ah ben, moi, en fait, je me disais aller à l'entrée du tunnel, donc là, donc... Et après, du coup... Déplace-toi. Et je l'attaque. Ah, mais c'est vrai qu'il peut voir en déplaçant son personnage aussi. Non. J'ai pas déplacé mon personnage quand j'ai fait les premières trucs. Bref, donc du coup, tu te prends quand même une attaque d'opportunité. Par qui? Yes. Bah par le... Enfin, pas une attaque d'opportunité, mais une frappe éclair du gars. Ok. Vas-y. Combien de parades déjà, sachant que t'es vulnérable? Non, tu n'es plus vulnérable, c'est vrai, parce que t'avais passé un tour sans rien foutre. Bah j'ai 9. Et bah ça touche. Ok. Ah bah, 12 de résistance. Bah non. Moi je croyais. Enragé, ça augmente pas ma parade. Hein. Non, non, je 21 de dégâts. Je confonds. Ah. 21 de dégâts, donc ça moins 12, ça fait 11, ça fait combien? Ouais, non, trop tard. 21 moins combien t'as dit en résistance? Bah 12. 21 moins 12. Attends. Ça peut pas 9. Faire échec critique là? Ah. C'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Je sais pas. Bah non, c'est pas trop tard. Bah, dans ouais, le j'y ferai deux blessures. C'est trop tard ou pas du coup? Ça dépend, la carte, c'est quoi encore? Après, il y a... Bon, ok. Qui c'est qui l'a pas lancé? Moi. C'est à moi de le faire du coup. Oui. Du coup, il ne restera plus que... Qui a lancé une carte? Moi. Yann. Et moi, ça va être remonté, je pense. T'as fait quoi remonter? Remonter, ça veut dire que je fais plus de aux dégâts pour chaque blessure. Bah, casse-toi là maintenant. Mais casse-toi là. Ah ouais. Bah oui. Il faudrait déjà qu'il touche avant. Parce que ça sert à rien de la jouer s'il touche pas. Vas-y, il aura quand même plus de aux dégâts. Non, c'est là, c'est toute la rencontre. C'est pendant toute la rencontre, j'ai plus de pour chaque blessure que j'ai. Bah qu'est-ce que t'attends? Du coup. Il donne son coup de sabot, rate, l'éclate contre le mur, ça le secoue. Mais le mur, il donne une grosse... Le mur quoi? Merci de ne pas me couper. Le mur, lui, se fissure violemment quand même. Mais c'est quoi ce Terminator là? Il sort d'où lui encore? C'est un T-800. Vas-y Silver, du coup, termine ton tour. On continue. Silver va l'attaquer en attaque. Et n'oublie pas que t'as moins 2 comme t'as couru. Oui, mais j'ai moins 2, plus 2. Plus 2. Oui, non, mais je te le dis. J'ai quand même un plus 2. Voilà. Allez, là. Mets la fiche de personnage. Merci. Il faut pas la fermer à chaque fois. Mais... Raté. Ah bon? Oui. Ah bah d'accord. Fizzle. Fizzle, elle va voir le gars qui a failli donner un énorme coup de sabot à Silver. Tu veux pas réanimer les morts plutôt? Parce que bon... Ouais, réanime les morts. Si tu peux. Genre, elle est en hémorragie. Elle va y passer aussi. Parce que comme ça, en fait, en plus, ça donne des bonus contre lui. Ça peut être pas trop mal en fait. Ouais. Bon, ok. Bon, mais du coup, je pensais me transformer en ours et lui péter la gueule, mais.
C'est bon, il y a Silver, il y a Ulrich qui va s'en charger, il y a Redia qui arrive. Si tu peux soigner, okay. Soigne, quoi. Ouais, bah écoute, je vais faire ça. Je vais me mettre... Je vais me mettre là. Non, je peux pas atteindre le Bad Pony. Bah si. Dans le tour, parce que c'est vrai que... Ou en marchant sur Sun. Après, on va faire attention à celle-là, qu'elle se réveille pas. Elle est à terre, elle est blessée, elle n'est pas endormie. Je vais me mettre là. Voilà, je vais faire ça. Et j'ai deux soins. Ouais, il me reste assez de mana. Yes, du coup, elle est stabilisée. Easy. Le gros pabot. Il se restabilise. Le combat des titans, Silver contre le gros pabot. Alors, mon petit Silver. On va te donner deux bons gros coups de poing dans la gueule. Tu m'avais dit 9 en parade, c'est ça? 9 en parade, oui. Donc ça touche. Oui, ça touche. Oui. Deux attaques? Ouais. Eh ben. Alors, 8, 14, 15 dégâts pour la première. Ouais. Donc 3. 3, ça fait pas de blessure, c'est ça? Ça te secoue. Ça fait pas de blessure, ça secoue. D'accord. Et. Ouh. Alors. 19. 20, 21. 21, bah 9. 9, ça te fait 2 blessures. Donc je passe à 3. N'oublie pas de mettre la table des blessures. Deux fois? Juste une fois. Techniquement, t'as oublié une fois, il me semble, mais... Non, je l'ai refait après. Tu l'as refait après? Ok. Oui. Je sais pas ce que ça a donné, mais ok. Mais ça a fait moins... Ça m'a fait contusion juste après le truc de Loupi, parce que ça m'a... Ok. Fais juste table des blessures. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Tu peux relancer ta padel. Tu peux relancer ta padel. Tu peux relancer ta padel. C'est une blague là, c'est buggy ou quoi? Tu peux relancer ta padel. Mais quoi? C'est buggy. Oh, mais au pire, lance 2d12, 2d6. Ah, c'était beau. Rina, s'il vous plaît. Non, mais c'est en vidéo dans tous les cas. Donc. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Rina. Voilà le bon résultat. Bon, elle va sauter sur lui. Tu le laisses. Rina. La ouais, bon, elle s'est juste loupée. C'est un peu comme si le gars il s'était retourné, il avait fait une petite pichenette pour pas qu'elle lui saute dessus et ça l'a pas déstabilisé. Ah bah si, c'est vrai, attends, hop. Il attaque ? Bon, il rate. Sale pute. Mais bon, voilà. Skoula ! Bah, je suis encore distraite et secouée. Tu n'es plus distraite. Ah, je suis encore secouée. Oui. Mais tu peux bouger. Bon, tu es au sol en plus. Quoi? Quoi? Bah t'as fait un fumble. Pourquoi au sol? Genre je vais bien et tout d'un coup je tombe au sol. Non mais tu trébuches. Ah oui. Oh mais quelle grosse merde. Tu as trébuché dans l'eau genre... Quelle grosse merde. Bah voilà, super tour. Wood. Vas-y Wood, tire-lui dessus. Je pense que c'est le moment de lancer le Molotov au milieu de tout le monde. Bah oui, go. Bah évidemment. Et là, ça me fait un joli plus 6 quand même. On peut pas viser et tirer en même temps, on est d'accord? Non. Est-ce que je reste là? Que je recule un peu? Je reste... Viser, c'est non. Demande vraiment aucune action. Pas de recharge, pas bouger, non, ni rien. Non, passer un tour à rien foutre. Je vais rester sur place. Et c'est combien encore de viser la tête ou un truc ainsi? Moins 4. Moins 4. Mais prendre ce risque-là, au point où on en est,
Je vais vider la tête. C'est Wood, et là, il nous sort un 32, tu sais. Il faut vivre avec les risques. Je vise l'artérite. Donc c'est moins 4, mais je recharge en même temps. Moi, j'ai soif. Moins 6. Oh, taré. Oui. Et il me semble que c'est ta calculateur ou c'est vraiment en dessous de 5? J'ai calculateur, j'ai oublié de m'enlever. C'est que moins 4. Donc c'est que moins 4, donc c'est raté, mais j'utilise mon dernier béni. J'aime bien le que moins 4. Tu vas y arriver. Oh oui. Plus bon 4. Bah vas-y, plus 4 dégâts. Donc du coup, c'est les dégâts, plus 1 des 6. Plus roll 4, damage et tu mets un plus 4. Ouais, le papé! Alors, donc 19 plus 6. Il est secoué. Au moins. Et 37 dégâts. Heureusement qu'il a pas d'armure. 35 moins. Ouais, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de. Ok, donc petit jet de vigueur, même si, en mon avis, ça ne changera rien. Il sera parti dans tous les cas. Non, mais il sera parti dans tous les cas. Chez Dark Sasuke. Yes. Le papé. In my oreillette. Voilà. Quand Loupi a dit j'aime bien le moins 4, je me suis dit ça veut dire que ça va réussir. Il reste celui-là qui voit... je vais peut-être reculer. Mais elle dormait, elle. Elle s'est réveillée. Et elle recule. Et il reste ceux qui sont enfuis cachés aussi, hein. Mais ce n'est pas fini. Mais c'est pas fini. Alors, du coup. Mais du coup, faudrait pas tuer lui, mais bon. Pas tuer qui? Bah, le gros, là. Hein? En tout cas, celui-là, il sera Spwick. On lui coupe les ailes et les pattes, tout ira bien. Spwick, lui, sera Spwick. Eux deux seront retirés de côté. Et elle sera Spwick. Il n'est pas censé soigner Scratch? Si, mais pour l'instant, il les a d'abord tirés d'affaire et a achevé vraiment pour être sûr ici. Ouais, non, mais il a soigné personne. Hein, quel trou de balle. Ah, trop attristé par la mort de son bien-aimé. Hop là, bon. Wood. El papé destructor. Sauf que... El torneo del poder. Ah. Sauf que, putain, il y a toujours un sauf que. Salut, il a une forme 2. Ah. Et il y a une lanterne qui vient de rentrer dans le turn order. C'est quoi, c'est Minotaur? Oh putain de sa mère. C'est les descendants de Brittle, je reconnais. Vous avez si mal tourné. Forcément, c'est pas grave. C'est forcément, quoi, il y a des Minotaurs. Tu joues en première. Mais j'arrive pas à me restab. Vas-y, essaye. Des Minotaurs. Il y aura le cul. En bas à droite. Encule ta mère. Voilà. Mais non, mais vas-y, relance encore. Non, j'ai plus de béni. Si, si. Mais relance-le gratos. Non, mais si c'est une descendante de Brittle, par contre... Voilà, maintenant je vais aux toilettes. On sait pas, tous les Minotaurs du monde sont pas des descendants de Brittle. Bah, on est quand même... on n'est pas en Equestria, mais on est en Galopa. Il n'y avait pas 40 000 Minotaurs en... Oui, mais même, ils sont pas tous descendants de Brittle. Oui, on est longtemps après. Rudy, d'arrêter d'essayer de faire des liens partout. Oui, voilà. Encule ta mère qui m'a fait cracher mon eau, pardon, Miss. Quelle idée de boire quand c'est mon tour aussi. Aïe, aïe, aïe. Tu me fais penser... Ouais. Je vais aller me chercher de loin en attendant que... ils sont où? Je les vois pas, moi, les Minotaurs. En bas à droite. En bas à droite. Ah, mais parce que tu les... Parce voilà, que, merci. Ok, ils sont là. T'as pas l'angle. Je reviens, quoi. On est dans la merde, on est dans la merde. Soigner Silver, il a quand même plus 6 au dégâts. Oui, bah faudrait pouvoir t'atteindre déjà, parce que bon... Papa, tu gênes.
Du couscous là. Je peux passer comme ça pour essayer d'aller soigner Silver? Oui. Ok. Bon bah je vais faire ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-bas? Je promets rien. Je sens le fumble, j'ai pas envie de cliquer. Allez. Bon, ne l'invoque pas! Ouf! Ah, il a soigné une blessure. Reste un pipé. Voilà. Je ne suis plus utile à rien, les enfants. Je ne peux plus lancer aucun sort. Arrête de dire ça. Même les soutiens moraux sont importants. Ouais. T'as déjà... D'ailleurs, je vais prendre en compte qu'elle a soigné la première contusion, donc tu pourras réaugmenter ta vigueur, Silver. Yay. C'est bien, je suis heureux. Ah bah attends, pourquoi j'ai tiré une carte? Ah si, j'ai tiré une carte à Midnight parce que bah il est quand même au sol, même si je pense que personne ne le soignera, donc je peux le retirer. Bah on va juste éviter qu'il... Le ligoter. Ouais. Rydia s'en occupera. Wood! Vas-y Wood, tire! Tire sur les deux qui arrivent! Non, je vais lancer mon... Il faut lancer... lancer. Ah putain, le molotov, mais il est trop loin là. Mais du coup, oui, je vais tirer. De toute façon, le molotov peut marcher sur celle qui est morte. De toute façon, ouais. Ils sont super beaux par contre. Hein. Putain, la vache, oui, c'est vrai qu'ils ont une sacrée gueule. 3,5. Je vais une portée de combien? Elle a l'air très con par contre. Ouais, qui... ouais, non, tant la pis. Petite bad pony. Recharge tirée, donc beaucoup moins 4 parce que c'est loin. Pas que c'est à demi-distance. Mais vous bouchez le passage. Elle va se faire écraser. Elle va se faire écraser par les... Je voulais juste vérifier en me mettant là, mais non, vaut mieux que je me mette... Que je continue de rester ici. Ah, donc, et juste pour la description. Lui, il a pas d'arme en main, mais il a l'air d'avoir des bandages dessus, donc vous pensez que... Voilà, ça va cogner dur. Et lui, il a deux arbalètes lourdes, une dans chaque main. Ah, mais faut recharger aussi. Ah. Du coup, j'ai compris. Oui. Du coup, j'ai compris double horn. Voilà. Ouais, mais du coup, il a des arbalètes à sa taille. Oui. Je vise une des arbalètes. Oh. Oh. Donc, c'est pas un si gros malus. C'est pas un si gros malus que ça, du coup. C'est moins 6. Ouais. J'ai envie de dire, j'y crois. Mais non. Fais-moi les dégâts. Accroche tes mains à ma taille. 17 PA2 sur l'arbalète. Non, pas 17 parce que sur les armes, c'est pas. Attends, faut que je regarde un truc sur le désarmement. J'aurais dû viser le Minotaur. T'as dit l'arme, hein, du coup. Ouais, je visais une des arbalètes pour la péter. Ah, non, donc les dégâts normaux. La péter ou la faire tomber. Hein. Ou n'importe, tu sais, du coup, il en a une au lieu de deux directement. Putain. Et plus de relance, c'est maintenant que je fais des jets. Woodcutter qui sauve la fin du combat, quoi. T'as quand même fait 18 plus 5. Ah, malheureusement, ouais, dommage, je suis en train de regarder la solidité des objets et malheureusement ça te suffira pas. Mais c'était très bien tenté, j'ai envie de te donner un béni pour ça. Ok, c'est déjà ça. Mais ça le désarme pas? Non. Mais c'est nul. Genre 7, c'est pas assez. Oui, faut que je regarde un truc par rapport à ça aussi, effectivement, merci de me le rappeler. D'abord. Parce que c'est quand même une arbalète, c'est quand même un carreau. Ouais, attends, on prend un carreau dans la main, ça picote un petit peu. Hein. Il faut combien dans la main, c'est pas la main qu'il a visé, c'est l'arme. Ouais. Il aurait fallu faire combien pour l'abîmer? Il aurait fallu 9 et tu l'aurais cassé. Bah. Oh, dommage. Le berserker. Juste que je regarde Attends. Il a fait 17, je comprends rien. Et le berserker, c'est. Non, mais sur l'équipement et les armes, les attaques bonus. Il a réussi à toucher l'arme, de toute façon, je fais un dégât normal. Le défenseur doit réussir un jet de force au moins égal au dégât de l'attaque ou lâcher l'objet. C'est ça, donc je dois lui faire un jet de force. Et vu qu'il a un dé 22 en force, il va peut-être faire un peu de mal. Si l'attaque ciblait le porteur lui-même et qu'il est... Il le secoue, le blesse, le dernier doit faire un jet de force. Ok, donc là je dois faire un truc égal au dégât. Donc c'était 7 les dégâts. C'est lequel? C'est pas 17 lui.
Ça compte pas les dégâts bonus. Non, sur les objets, non. Mais c'est nul. C'est pour ça que je me dis j'aurais dû viser autre chose que l'arbalète. Bah l'arbalète est par terre. Yes. Moi c'est déjà ça. Une arbalète en moins, ça c'est bien déjà. Il pourra la ramasser quoi. Oui, mais ça prendra du temps. Oui, mais en attendant, moi je peux faire un jet d'intellect et arriver plus proche pour balancer un molotov. Ouais. Eh. Mais tu joues après lui. Non, j'ai des messages. Je joue après celui qui est au corps à corps. Pas après, je joue avant celui qui est au qui est à distance. Donc je peux peut-être l'obliger à caster au corps à corps aussi. Hop. J'en étais où? Wood, c'est bon. Autour de celui-ci. Ouais, c'est lui. Il va écraser la petite à tous les coups. Ah, il va juste passer à côté. Ça aurait été hilarant. On se commence à se battre contre eux alors que ils étaient venus se battre contre eux aussi. Et il avance en roulant des mécaniques. Et. Hop, pardon. Hop, enfin, lui à ta taille. Tous ceux qui sont dans ce gabarit vont devoir réussir un jet d'âme contre son intimidation. D'accord. Le dé, il est même à la maison. C'est un fumble, c'est tombé par terre. Jet d'âme. Jet d'âme, ouais. Mais il a fait combien? Bah, je dois pas le dire. Oh. Oh, j'ai fait 4, mais je pense pas que ça sera assez. Je pense pas non plus. Allez! Yes! Pas mal! Attends, Faut que je le fasse sur Redia aussi. Sur Scratch. Oh, attends, il faut que je regarde un truc sur mes handicaps. Redia non plus. Et Scratch. Ok, donc. Vous serez tous distraits. Ah, j'ai oublié Ulrich. Non, mais il y en a pas envie d'être distrait là. Même Ulrich, même toi, tu seras distrait également. Et. Loupi et Wood, faut que je tire sur le combat créatif. Et j'ai oublié que à cause de mon susceptible, j'ai moins 2 pour résister à la provocation. Donc j'ai pas fait une intimidation. Ah oui, pardon, my bad. Alors donc du coup, Silver. Il t'intimide tellement que tu en fais tomber ton arbalète. Ce coup-là, désolé, non, tu es de nouveau secoué. Wood, tu en fais tomber ton arbalète et ce coup-là, tu es secoué. Oh, mais je viens de m'en sortir! Connard! Excusez-moi. Je fais tomber mon arbalète et je suis secoué. Non, c'est moi c'est qui suis secoué. Ce coup-là qui est secoué. Ah, ok. Encore. Et ça fait quoi pour moi et Silver? Ça fera rien. Juste distrait. Juste. Bon. Ok. Je peux pas sortir de l'état distrait avant la fin de mon tour, c'est ça? Avant la fin de ce tour, ouais. D'accord. Distrait, ça me donne quoi? Bah, tu coches la case distrait, en gros, ça te met -2 sur tous tes jets. Ok. Ok, du coup, le molotov. Ok, je vais avancer. Et tu ne lanceras pas le molotov, c'est beaucoup trop, réfléchi comme action. Mais non, mais attends, je réfléchis. Parce que du coup, je vais faire un jet d'intellect pour essayer de sortir de l'enragé. Ok. Si je sors de l'enragé, j'essaye de lancer le molotov. Si j'y il a moins 2 en plus, il me semble. Non. Il me semble que si. Le molotov, il est pas à moins 2. Non, mais l'enragé, oui. Ah, oui. Sortir de l'enragé, il me semble que c'est un jet d'intellect à moins 2. Non, j'ai rien vu. Je vois pas de moins 2. Faudrait que je relise tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui manquent à chaque fois. Tu me dis s'il y a un moins 2 ou pas à mettre. Alors, il peut également choisir de se calmer en risant un jet d'intellect à moins 2 en action gratuite. Ok, bon bah, moins 2. Ça fait combien de tours que t'es enragé d'ailleurs?
Bah là, il faut que je me calme, sinon je passe en fatigue. Ah putain. Bon, et eh ben, ça va être coton. Et je peux pas décider de laisser l'enragement passer ou non ? Y a que le. Je décidais de passer l'enragement, je dirais que c'est en fin de combat. C'est en fin de combat, ouais. Putain. Sa première fois qu'un combat dure aussi longtemps pour ça. Parce que lui, il est à 14 mètres, donc bah. Je vais bouger jusque-là. Hein. Bouger jusque-là. Tu peux courir. Ouais, oublie pas, tu peux courir, tu peux tenter de l'attaquer. Ouais, mais d'un autre côté, là, j'ai un peu de self-préservation et je me dis que si je vais au contact, je meurs au prochain tour. Bah, clairement, ouais, surtout avec tes moins 40 dues à la fatigue, aux blessures et tout. Hein. T'as moins 4. Non, les blessures, je les ignore. J'ai nerf d'acier, donc les blessures, je les ignore. Les malus des blessures, je les ignore. Bah, c'est déjà ça? Bah oui, sinon ça ferait longtemps que Silver il serait plus utile à grand chose. Hein. Le truc c'est qu'il y a l'autre Minotaur qui va être à la limite. Si je me mets sur son poteau, il va pas pouvoir me tirer dessus avant de s'être déplacé quoi. Bon, bah, je vais tenter un jet d'allure. Je vais tenter un jet d'allure et puis je vais tenter de l'attaquer aussi parce que tant qu'à faire. Si je vais tenter de faire un jet d'allure et si j'ai ce qu'il faut pour aller au corps à corps. Ouais, 14 mètres. Ouais, 14 mètres. Non, ça suffira pas. C'est pas assez quoi. Attends. Voilà. J'arrive à faire 14 mètres. Là. De manière stratégique pour que lui il me serve de couvert. Ok. Et ce sera une fin de tour. Ok. L'autre, il ramassera son arbalète, mais il y a le carreau qui s'y est détaché, donc il faudra qu'il le recharge. Bah, c'est ce qu'il va faire, il va le recharger. Et tirer. Tirer les deux carreaux. Du coup, à moins 2. Dans le même tour ? Oui. Une arbalète dans chaque main. Non, mais. Non. Il recharge et il tire les deux. Oui. Mais il a un atout court. Ah oui. Il y a des atouts pour double flingue, etc. Ouais, mais là, c'est une arbalète, c'est pas la même chose. Oui, non, mais chute. C'est bizarre. Mais bon, oui, mais chute. C'est des boss. Chute. C'est des boss. Alors. Alors, du coup, tac. Bon, du coup, je vous dis adieu. Bah, c'est pas toi qui va viser. Il va viser ceux qui sont derrière. Ah oui. Il va tenter de viser Wood. Oui, ils étaient en train de manger. Et ce coup-là, qui a la protection de la loose, mais par contre, le papier, il va se prendre cher. Oui, je vais mourir. Oui. 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 Heureusement que je t'ai donné un béni. Ça fait 10, 30. Attends. 3 x 8, 24, c'est ça ? 24, oui. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bah, quoi qu'il se passe, je suis mort. Bah, non, tu as toujours le béni. Ouais, bah, même si j'encaisse là. Bah, tu peux encaisser et survivre. Hein. Il suffit juste d'encaisser une blessure pour survivre. Ouais. Allez, c'est comme si je prenais 6 blessures et demi. Ouais, bah, oui. Tu peux pas aller au-delà de 4, donc... Tu peux pas aller au-delà de 4, donc il faut... À moins d'avoir des atouts pour... Je mets mon béni, donc, c'est ça. Et encaisser avec vigueur. Allez, vas-y. Je suis à moins 1 en vigueur de base. Voilà. Bon. Voilà, je suis là. J'ai de vigueur, de nouveau. Non. Ouf! Il est juste à terre. Et il est où l'autre?
Il y avait pas un autre licorne avec nous, blanc, là? Il peut pas aider, là? Il a rien vu. Tu n'écoutes pas. Il est mort? Non, non, non. Il a cassé une barrière derrière pour être sûr qu'il y ait personne qui arrive. Il surveille les arrières. On va venir. Il est tout au fond là-haut. Alors Ulrich, il pourra pas aller plus loin que ça non plus, mais il vient de porter assistance. Yes. Et l'autre derrière qui recule et qui sort un arc. Mais elle va viser Silver, lui. Raté. Attends, ouais, reviens le dé. C'est un problème avec les gens. Hein. Elle va toucher son patron. Non, elle a pas fait de fumble, mais c'était pas loin. Fizzle. Et mets-toi bien 3 blessures, mon cher Wood. Ah oui. Ça m'énerve parce que j'ai envie de les aider. Mais il y a Wood à soigner. En filigrane, je vous dis, utilise le Molotov qui te reste. Qu'est-ce qu'attends? C'est 18 mètres. Et j'ai pas fait de scène cinématique de leur entrée. C'était suffisant, je pense, de se dire qu'il y a deux Minotaurs géants. Minotaurs géants pour moi, dont un avec deux énormes arbalètes et l'autre avec une arme. T'as vu ça, Sirius? Ils ont tué tous nos hommes. Ouais, Roddy, on va leur montrer. Trop tard. C'est plus, vous sentez la caverne qui tremble sous d'énormes sabots. Diesel, ton tour. Donc jusqu'à la fin de ce tour, je suis distrait. Mais il y a Scratch, sauve-nous! Lui aussi. Pour l'instant, ça va être soigné. Je pense que pour ce tour-là, je vais soigner Wood. Je vais soigner Wood et le tirer hors du champ. Je vais faire ça pour le moment. Ok. Je t'en prie. T'as bien mis le moins 2 de. Ah, non, c'est déjà fait avec le distrait. C'est automatique. Donc, Wood, tu récupères. Tu es de nouveau debout. Ça le stabilise. Non, il a pas besoin de le stabiliser, il était pas en hémorragie. Ok. Donc, tu es debout, toujours à 3 blessures, du coup, mais tu n'es plus incapacité. Et je le tire. Et je le tire de quelques mètres. Non, vu qu'il n'est pas à terre. Oui, mais elle peut toujours. Juste si tu le tires, t'auras moins 2 sur ton allure. Mais ok. Oui, mais je le mets là. Je te mets là. Voilà. Qui est passé? J'ai un trou dans la poitrine. Ça va aller. Là. Alors. C'est rien, t'as perdu un poumon, mais t'en as un deuxième. Ouais, c'est vrai. Warrior, pépé. Scratch, bah il va réveiller Sun. Sun va crier « Allez tous vous faire foutre !» et le Minotaur va avoir peur. Flame va finir celui-ci. Little Wing arrive. Il va se mettre là. Oh, bordel de merde. Il y a du monde. Et toucher un des Minotaurs avec son arbalète. Wouh ! Quel homme. Il va arriver, il va poker le Minotaur avec son arbalète, tu sais. Un des Minotaurs, c'est forcément celui-là, donc... Ouais. Bah, un des Minotaurs, du coup, oui. Et du coup, j'avais dit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ok, donc il sera secoué. Ouais. Little Wing. Petit mais puissant. Ouais. Ta gueule. Il fait quoi? Parce que moi, je vois rien. Little Wing, qui est le boss des Black Hole, qui a réussi à secouer les Minotaurs. Ah, ok. Redia qui regarde. Et du coup, on le tue lui ou pas? Prête à lui bouffer sa carotide. Non, mais d'abord les autres. D'abord le reste. Il y a plusieurs gens, Redia, merde. T'arrives pas à ma question?
Non. Et attends, mais qu'est-ce que tu parles, toi? T'es enragé, tu réponds pas aux questions. T'es... c'est surtout, il est super loin. En plus. Ok, regarde du coup là, genre. Mais je suis distraite. Et secouée. Et secouée. Alors je réponds pas. On verra plus tard alors. Eric, attention. Oh, c'est la petite Redia qui va arriver, elle va le choper par les cornes. J'ai cru que la lire va choper par les couilles. Non, par les cornes. Bah, mordre couille, ça peut être une astuce, hein. C'est un bon, l'autre charge tire, mais rate. Et elle se cache derrière le dinosaure. Je suis fatigué, j'ai mal entendu. Aidez-moi, patron. Ils m'ont fait du mal. Patron. Bah, elle s'en sert de couvert, c'est tout. Patron, aidez-moi. Limite, elle tire à travers ses jambes, tu vois. En tout cas, Redia, c'est pas de la famille de Storm pour rien. Hein. Foncer dans le tas comme une gogole. Oui, effectivement. Fizzle. Fizzle, maintenant qu'elle vient de sortir, Wood. Du bordel. Ce coup-là, elle a l'air toujours un peu stun, j'imagine. Je vais confier Wood aux deux autres, enfin aux autres, et je vais foncer dans le tas. Donc je suis plus distrait. Je vais avancer. Comment je me démerde? Le gars est par là. Et donc il faudrait que je fasse le maximum. Ouais. Ouais, je vais y aller comme ça. Je vais courir. Non, je vais pas courir. Je vais juste y aller et me transformer en ours sur la route. Donc je lance mon sort. Vas-y. Je lance mon sort, mais avant le déplacement. Mais attends, j'ai pas de token d'ours. Juste, tu mets un gros truc. Et pour les stats, attends, on va le décider, le token d'ours. Non, mais je te grossirai. Ouais. Du coup, je lance mon sort. Ah si, j'ai un token d'ours. Easy. La version course de Fizzle, je ne mets pas le truc pour parler. Je me bouge, comme ça tu me mettras à ma nouvelle place. Ouais, bouge-toi avec ça. D'accord. Bon bah voilà. Par contre, attends, ouais, non, t'as l'allure de l'ours par contre. L'ours qui a une allure de. Bah c'est pareil, 6. J'ai une allure de 6. Je vais te mettre de façon temporaire sur ma fiche. Non, mais t'inquiète, je vais te mettre en disposition la fiche. Ok, je me la règle, tu pourras faire ça aux autres. Tu pourras jouer le tour des autres en attendant. Vas-y. Silver. Oui. Et ben du coup, je ne suis plus distrait. Mais j'ai un point de fatigue. Je vais aller au contact, hein, parce que là, on n'a pas trop le choix. Quoique, si je vais essayer de faire un jet d'intellect, quand même. Parce que si je pouvais lancer le Molotov, ça serait quand même pas mal. Donc c'est intellect, il m'a dit moins 2. Ouais. 0. Tant pis. Et pourquoi j'ai moins 3? Est-ce que t'as bien retiré le distrait? Non. Voilà. Bon. Je le relance ou je le laisse comme ça? Non, mais c'est pareil. Ça ferait pareil. Bah. Et bah, du coup, bah, corps à corps. Hein. Vas-y. Hop. Voilà. J'ai mis à disposition la fiche de l'ours du coup. Ouais, je suis en train de voir ça, je suis en train de me faire ma fiche. J'aurai juste à modifier avec les lames et l'intellect. Et je te laisserai glisser le nouveau token comme ça. Ah quoique, ouais non, on verra ça plus tard. Non mais c'est bon, je peux le bouger.
Et du coup, je l'attaque. Avec un plus 2, plus 4, vu que c'est une attaque totale. Ça passe ? Deux secondes. Parce que tu vas un petit peu trop vite, j'étais sur d'autres choses. Ah pardon, excuse-moi. Parce que avant d'attaquer, il va t'en foutre une. Ah non, il est secoué. Donc vas-y. Non, ça touche pas. Ça touche. Ah, j'ai pas de jet de rattrapage. Eh ben oui, j'ai mon jet de fatigue. Eh ben du coup, ben tant pis. Ben, c'est une fin de tour. Et Redia qui lui saute dessus. Et qui aura un bonus. Non, parce qu'elle va pas l'attaquer, elle va essayer de l'immobiliser. Donc elle va lui sauter. Ah non, quoique, non, il est trop grand pour ça. Donc non, elle va pas essayer de l'immobiliser. Elle lui saute sur la tête. Non, mais ça, elle peut pas. Elle peut pas parce qu'il est trop gros. Donc elle va juste l'attaquer. Il est où? Il est là, touché. Oh putain. 10, 14, 14, ça lui fera une blessure. Eh bah dis donc, on fait bien un bon groupe. Ah, bordel de merde! Retirez-moi ce parasite! Je suis plus distraite. Non. Bon, je tente de me désecouer. Ah. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de mana. Bah, tu vas au cac avec la rapière. Ouais, allez, on y va. C'est quoi ça? Mais... Ah, c'est Fizzle. Mais t'as pas un molotov? Non. Mais non, c'était moi et toi qui en ont. Et moi. Prends un molotov à la ceinture de Silver. De Wood, j'ai encore un molotov, moi. Tu te balances sur ces deux-là, là. Je sais même pas où il est, Wood, là. Bah, il est là. Oui, mais non, pas que ça à faire de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et puis non, le tir, je le sens pas. Par contre, Ren, étant donné que t'as supprimé le token de Fizzle, je suis plus dans le turn order. Ah merde. Bon, je vais te la mettre dans un coin. T'avais combien? J'ai pas vu ma carte. De toute façon, t'as déjà joué, non? Pour Narnia. Voilà. Je crois que t'avais un roi ou un as, t'avais joué dans les premiers. Oui, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Je vais te remettre là. Puis tu te déplaceras en même temps que ton nounours. Voilà. Du coup, je reviens. Tu peux faire que ça. Je reviens, c'est pas mon tour de toute façon. Vous. À de suite. Cyrus. Ouais, pardon, c'était juste que j'étais en train de chercher un gif, mais je ne trouvais pas de Lafayette dans les Aristochats qui mord la jambe d'Edgar. C'est un peu ça, Redia. Alors, El Cyrus. Tac, tac. T'as ça en âme. Il se dessecoue. Alors, bon, du coup, coup de tatane dans Redia, ça touche, et ça sera un autre coup de tatane sur Silver, ça rate. D'abord le coup de tatane sur Redia, et ensuite tu auras le droit à ta contre-attaque Silver, mais il est pas là, donc j'attendrai qu'il soit là. J'attendrai qu'il... hop là. On va piquer un peu Redia. Ça c'est coup de tatane d'Oredia qui va tomber dans les vapes. Ouh, ça m'a fait peur, mais ça va. Heureux, désolé. Heureux. Donc du coup, que je t'explique, le Cyrus il a donné un coup de tatane à Oredia qui vient de tomber au sol. Et il t'a donné un coup de tatane également, mais qui a loupé. Oredia ! Contre-attaque ! Oui, contre-attaque. J'ai ça droit à une... Yes.
Je savais que c'était une bonne idée de prendre cet autre truc. Du coup, c'est une attaque gratuite. Mais c'est... ça... Est-ce que ça compte comme une attaque totale? Bah techniquement... Il me semble que vous pouvez parler contre attaque comme ça. Ouais, mais enragé, ça fait que des attaques totales. Si possible. On peut faire une attaque gratuite. Mais ça dit pas si c'est... Si j'ai... Ça dit pas que j'ai pas droit de faire une attaque totale. Ouais, donc bah vas-y, en total. Ok, donc ça me fait un plus 4. Et pas d'autres bonus, vu qu'il y a personne d'autre qui est au corps à corps. Allez. Ah ! Un 8 ! Ah ! C'est touché ! À si peu près, c'est touché. Eh ! Sauf que j'ai plus 6 pour les blessures. Grâce à la... Plus 4. Non, plus 6. Plus 4, t'en as que 2 pour l'instant. Non, ça compte toutes les blessures que j'ai subies. Pas juste celles que j'ai au moment. Ah oui, c'est vrai. Précis. C'est vrai. J'ai subi 3 blessures au cours de ce combat, donc j'ai un Mais en fait, c'est pas comme ça que je l'ai interprété. Je vais juste la relire pour être sûr, mais il me semble que c'est pas comme ça que je l'avais interprété. Pour chacune de ces blessures, qu'elles aient été subies avant ou après avoir joué cette carte. Donc oui, donc c'est les blessures actuelles. Même si tu avais des blessures avant, elles seraient comptées quand même. Je l'interprète comme ça. Je l'interprète pareil. Bon, après plus 4 c'est déjà pas après, mal. Après bon, techniquement t'es quand même plus 6 avec ton attaque totale. Oui, mais bon, ça aurait fait plus 8, ça aurait été sweet quand même. Allez, let's go. Voilà, c'est posé. Alors, ça lui fera... Oui, une blessure. Ponctué d'un petit connard. Mais dis donc, mais il est poli. Ah ouais, bah, Silver. Connard, c'est vous qui rentrez chez moi. Wood. Je faiblis. J'étais tranquille dans la chambre, le mec, il est rentré. Voilà. Parce que dans le... je vois pas bien à cause que c'est. Là, ça venait de... ça attaque en fait de l'autre côté, le Minotaure de l'autre côté. Ok. En gardant un couvert. Je vais aller avec eux. Attaque de l'autre côté avec le couvert. Je vais l'utiliser aussi comme couvert. J'imagine le petit Pégase. Je me traîne. Je recharge. Le petit Pégase qui sert de support à l'arbalète de Wood. Le Pégase qui vise avec son arbalète et par-dessus, t'as Wood qui pose son arbalète sur la tête. Je vais juste recharger... et pas tirer en fait. J'ai juste rechargé et c'est tout parce que j'ai trop de malus. Les deux là vont recharger et tirer sur Cyrus. Raté. Non, Rodis il va tirer sur Redia. Pourquoi faire? Pourquoi elle est déjà au sol? Oui, mais enfin on sait jamais hein. C'est des méchants. Ouais. Ils sont méchants. C'est des méchants, très méchants, vraiment très méchants. Exactement. Alors, donc du coup, il va recharger ses deux arbalètes. Gnagnagna, c'est deux arbalètes. Par contre, il aura moins 4 sur les deux attaques qu'il va faire. Yes. Il compense quelque chose. Quoi ? Profite bien de jouer un perso qui a une arbalète. Alors, ce coup-là. Oui. Raté. Et bon, raté pour le coup. Lâché. Oh bah attends, j'ai des relances. Tu peux rien faire face à la lousse. Ah, ça touche. Je suis prêt. Réellement. Alors, de toute façon, là, c'était la première qui voulait toucher ce coup-là. La deuxième, elle allait toucher le nounours. Donc, du coup, Fizzle. Oui, RP d'ours. Reviens le dé, s'il te plaît. Alors, 14. 14, j'ai 10 de résistance, je prends que une blessure. Tant mieux. Mais ça fait quand même mal. Oui, j'utilise. Table des blessures. J'utilise un dead vigueur pour encaisser. Bah vas-y. Et moi, ça j'encaisse. Ouais, t'as pas touché ce coup-là. Ouais. Moi, je croyais que t'avais relancé. Oui, mais relancé pour la deuxième, pas pour la première. Ouais. J'encaisse. Ah, Fizzle n'a plus de béni.
Ulrich arrive au CAC. Et là, ça va plus rigoler. Ah, enfin. On va le voir en action, celui-là. Et là. Et là, il fumble. Et il tue Silver. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors. Donc, tac, tac. Il fait 4 coups de poing. Il y en a un qui rate, un qui touche. Deux qui touchent. Et donc un qui touche violent. Ok, donc deux qui touchent. Les dégâts de Lulu. Lulu Berlu. C'est ça. 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 Oh. Alors, donc. 25. Et la deuxième attaque. La deuxième attaque, 15. Donc, du coup. Bah déjà la première attaque, je crois que c'est à tes souhaits. 25, je retire ça, amours. Ça fait. Bon, déjà il était par terre à la première attaque, le gars. Je lui fais son jet de vigueur pour que ça voit son état. Ok. Mort. Non, il est juste à terre. Blah. Il a pas 3 blessures? Si. Ah. Il a plus maintenant, mais bon. Perdu, Osk. Donc en fait, description, Ulrich arrive, il utilise ses ailes pour donner des coups de pied en fait au niveau du visage du gars. Il se fait enfin deux gros coups de patte retournés dans sa gueule et il se retourne et ensuite il souffle des naseaux genre. Et le mec tombe quand il souffle. On n'entend pas. Cru, voilà. Ah, on a entendu. Alors, c'est un nouveau tour et ce sont les poteaux qui ont un joker. Scratch. Ça aurait été bien si tu avais réussi le jet de soin. Il veut pas relancer? Non, il... non, non. Quand c'est de là, hop. Tac. Un joker. Ah, je suis après l'autre. Tac. Ah, mais il y a un autre aussi. Et je pense qu'on est bon. Ulrich. Ah, Ulrich, je crois qu'il est pas content. Oh, putain, il a pile la distance. Ça va être un peu cinématique là, mais en gros, Ulrich regarde le deuxième qui est avec l'arbalète qui est en train d'essayer de recharger vite. En salut. Mode. Comment ça va? Moi, c'est Ulrich. Romanov. Eh oh! N'oublie pas les répliques de Storm là. Moi, c'est Ulrich Sabot dans ta gueule. C'est pas un vol, c'est un hommage. Non, c'est un vol. Donc. Une attaque je te présente de gauche attaque et de droite. Réussite, deux attaques de réussite, peut-être 3 attaques de réussite. Ouh. Alors, donc du coup, les dégâts. Tac, tac. Et je crois qu'il y en a une qui est en. Ouais, c'est. Non, ah non, elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Hop. Alors, 6, 10, 11, 11. Secoué. 6, 7, 8, 9, 9. Blessure. Et la troisième, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24, je retire ça. 4, je retire ça, ça fait que, Ulrich, pas content. Oh, pardon. Ah oui, d'accord. À terre. Ok. On comprend pourquoi il est chef de la guilde. Je pense que limite je peux terminer le combat ici parce qu'il y a l'autre qui est avec son arbalète derrière. Elle vient de voir ses deux chefs mourir en 2 secondes avec un bat de pony. Et... elle va jeter l'arbalète dans les airs, se mettre sur le dos et faire Je me rends C'est ça. Elle pose son arbalète, je me rends. Sachant qu'en plus il y a un ours qui arrive qui a l'air très enragé, plus un autre. Je me rends Elle n'a pas fait le jet du Minotaur. Oh bah ça va, il s'en sort bien. Fin lequel game
le deuxième qui est à terre. Ouais. Il s'en sort bien, mais on les tue, non? Très certainement. Ah bah oui, oui, parce que là, on peut pas les restreindre assez, ils vont péter leurs liens, donc... Fusel, elle va au moins y mettre un coup. À lui. Et lui donner un coup de pied. C'est ça. En mode je peux activer ma lumière même si j'ai pas de... j'ai plus de mana. Oui, oui, vas-y. Merci. Je l'accorde. Twing, twing, twing. Lumière. Silver, Silver, il va donner encore quelques coups au, au Minotaur là et puis il va... il va, tom... il va se calmer en tombant un peu par terre à bout de souffle. J'avais vu les deux couards qui fuyaient, je vais aller les chercher. Et tu vas te faire rattraper avant de tomber par un gros nounours. Et sont les trous de co. Le nounours en mode... Et puis ensuite, elle va regarder, Ulrich en mode... C'est bon ? Attends, parce que du coup, il y a ce coup-là qui va très vite. Tu attendras un moment ce coup-là, parce qu'il y a des actions de l'autre côté. Donc c'est bon quoi, parce que j'étais concentré sur ce coup-là aussi en même temps. Fizzle va regarder Ulrich en mode c'est bon de ton côté. Elle peut pas parler, mais elle le regarde. Bon qu'assommé, au cas où. Voilà, ça c'est fait. Tant qu'elle a encore tant qu'elle a encore toute sa force d'ours, elle va aider à porter, Silver et l'amener aux autres. Bah attends, parce que Silver, il me semble qu'il était encore à moitié enragé, qu'il allait s'acharner sur le corps là. Non, il l'a frappé. T'es enragé, donc si tu veux, Bah, tu le butes. Bah, il va le frapper 2-3 fois de plus et après il va juste tomber. Il va Si tu fais ça, c'est je considère que tu l'achèves. Enragé, ça pardonne pas. Bah oui. Enfin, de toute façon, on pourra pas le restreindre. Comment tu veux qu'on le ramène? On sait jamais. De toute façon, on a l'autre. Au pire. Ok, donc une bouillie de Minotaur par terre. Et Silver, du coup, après il. Il manque de tomber par terre, mais il est retenu par ses amis. Ok. Ce coup-là, en attendant, perception. Contre sa discrétion, celui-là. Rendez-vous ! Bande de trop de coups. Tu lui vois, il est caché. Le cul qui dépasse du tonneau, tu sais. Attends, j'ai un gif qui devait. Enfin, je pense trouver un gif qui devrait. Oh la gueule qu'il a! Où ça? Mais tu vois pas, c'est caché! Voilà, le gars devant ce coup-là! Du coup, je bombe le torse pour bien qu'il flippe et je m'avance. Maintenant! Ferme-la! Avance! Ma papa par là. Oh, je lui foutre. Il continue par là, mais il manque de se casser la gueule. Au secours! Ma quatre trop de mal. Attrapez-le! Faut que je fasse des jets pour. Non, mais il sera réceptionné ensuite. Non, mais pour grimper sur les caisses. Ah oui, non. Ok. Il y en avait pas un autre? Il y en avait un autre. Si, mais il est parti d'un autre côté. Ouais, pendant ce temps-là, du coup. Moi, je remarque qu'on ne peut plus rien faire pour Boréol et... Ouais, c'est ça. Voilà. Juste, du coup... Oh, putain. Tu auras guéri de 2 blessures grâce à Scratch. Moi ? Ouais. Et ah, en fait, tu t'auras tout guéri. Merci. Bah, du coup, je vais mieux. Ces deux-là vont ligoter ce Bad Pony. Et le surveiller. Maintenant, du coup, j'ai une blessure vu que. Il m'a t'as guéri plus de blessure là. Là, on t'a tout guéri. T'es 2 okay. Et 1. Ok. Fizzle aurait porté Silver dans la lumière ici. Avant de, elle l'aurait posé ici avant de se détransformer. C'est bizarre d'être porté. Hein? Oui.
Puis ensuite, elle lui fera un gros câlin et ça faisait bizarre d'être plus grande que toi. Oh là là, c'est pas le moment. Il y a des gens qui sont morts, c'est pas le moment de faire des câlins. Ouais. Silver, il est à moitié en train de tomber de sommeil, donc... Et ce coup-là, vas-y, je t'en prie, tu peux toujours continuer de fouiller. Allez, on le grognasse. Rendez-vous ! Tu peux faire un jet de... jet de perception. Et Silver, t'es soigné de... Ah non. C'est par là-bas. J'arrive ! Il vaudrait mieux que vous vous montriez avant que je vienne. C'est à la fois terriblement effrayant et drôle. Il est dans un tonneau, mais tu le vois pas tout de suite, mais tu entends. Okay. Ah, il aime de ce pareil. En mode non, je le regarde, coucou. Ah, je peux le bonk avec le couvercle. Oui. Bonk. Ah, on va me suivre. Ah, tais-toi. Le charisme de lui, il était beau pourtant. Ouais, mais instant. Ce coup-là est mieux. Je vais te redonner le contrôle. Le pauvre mec. Allez, avance, crétinos. Ah, tais-toi. La violence. Regardez ce que j'ai trouvé, un trouillard. Au moins une personne qu'on n'a pas eu à se battre. Je suis en train de rire, j'arrive pas à bouger mon truc. Regardez ce que j'ai au bout de mon sabot, un trouillard. C'est ça. Je vais juste faire le tri d'un côté vite fait de tous les ennemis. Vas-y. Et les alliés. Boréoul. Pauvre. Au final, on a perdu. En soi, on a perdu que deux alliés, hein. Oui, on a quand même arrivé en sous-nombre. Ouais. Et de beaucoup en plus, regarde-moi toutes ces conneries qu'il y a. Et sans l'effet de surprise. Sans l'effet de surprise, ouais. Avec deux Minotaurs. Ils étaient pas malins. Ils beaucoup plus, hein. Mmh. Ils étaient pas malins. Le vert, c'est un ennemi aussi. Ils étaient pas malins aussi. Ils avaient, c'est eux qui avaient l'effet de surprise. Ah oui, et ils ont pas vu tout le monde. Ils se sont dispersés. Bah en fait, ils étaient pas prêts parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est Silver a commencé à vouloir ouvrir la porte, c'est fermé. Et là où il a raté son jet de perception, en fait, il y avait une petite encoche dans la porte qui s'est ouverte. Il y avait les yeux de l'autre qui, oh putain, il y a du monde. Il a refermé vite fait. Et il a prévenu les gars de l'autre côté et ils ont réussi à se préparer vite fait. Oui, il a donné des attaques d'opportunité. Il y a que les mecs au niveau de la porte. Okay. Les premiers mecs qu'on a vus en fait, il y a que eux qui étaient vraiment prêts quoi. Mm-hmm. Les autres ils étaient pas et on est arrivé comme un chien dans un jeu. Tu seras soigné ta blessure en fait ce coup-là. Ah merci. Je te fais un bisou. Silver, il a du mal à se maintenir contre le mur. Il y a Ulrich qui demandera à Flame et à Little Wing, j'ai envie de l'appeler Little Ball, de surveiller le Minotaur là-haut, qui est déjà en saucissonné. Mais vous êtes sûr que c'est prudent ? Eux, ils sont attachés, je suppose. Ah, je pose juste Redia ici, je vais surveiller le gros là-haut. Et oui, ils sont deux. Elle est assommée et attachée. Puis là, lui aussi est attaché. Non, mais ce sera suffisant pour le Minotaur des pauvres cordes. Non, mais t'inquiète, je m'en occupe, dira Ulrich. D'accord. Je le surveille le temps que vous décidiez de quoi faire. Écoute, s'il arrive quelque chose, Ulrich, on lui tire les oreilles. Juste pour la cinématique, à un moment donné, ce coup-là, elle regarde et elle fait BOUH yeah. Et les deux, ils se rapprochent l'un de l'autre. C'est rigolo. Comment va Redia? Ah oui, il faut que je la soigne. J'espère que ça va aller. Je peux tenter de la soigner. Ah, c'est bon, ouais. Je regrette tellement le coup du soin, ça me sert à rien. Ça va tout le monde? Je peux faire un câlin à Redia.
Ah, d'ailleurs, faudrait que je lui tire ses blessures. Ça va. Mal bien, à la patte. Juste un peu fatigué. D'ailleurs, elle a 3 blessures, c'est un joker, la madame. Qui, Redia? Oui. Redia, avec la lumière de ce coup-là, t'as l'impression, t'as l'impression, c'est... Tling, elle a vu un truc, tu sais. Elle a une idée. En mode... C'est... Non, c'est en mode... Lumière. Elle a vu... C'est en mode... C'est comme une falaine. Limp. Les mimes sur les falaines. Bref. Limp. Bref. Et pourquoi Ulrich nous a dit qu'est-ce que vous allez faire de... C'est le chef. Parce qu'on n'est pas tout seul. Enfin, il y a eux qui vont avoir leur truc à dire. Voilà. Les Black Hole. Bon, je vais présenter mes condoléances à tout le monde. Oui. Pour Boréoul et l'autre dont j'ai oublié le nom, mais qui était vachement Scratch, beau. Scratch, il a des larmes d'homme, c'est-à-dire qu'il les retient, mais il en pense pas moins. Il pleut. Aïe. Normal de pleurer, il faut pas s'en retenir. Je vais lui faire un câlin. Pareil. Et un dans chaque camp, en plus, hein, des morts. Je vais faire un câlin à tout le monde, voilà. Et s'ils sont pas contents, je leur en fais un deuxième. Oh. Et qui on a perdu? Boréoul et Axolot. Merde. Axoloist. Mais le mec avait un nom de Pokémon aussi. Il partait pas gagnant. Hein. Sinon, d'ailleurs, Fizzle va vous identifier les gars qu'elle a vus par rapport aux, qui nous ont cramé la guilde. Ah yes. Il y a elle. Oui. Machin, et je crois que le dernier, c'est lui, il faudrait le remettre à l'endroit. Mais attendez, il n'y avait pas un changelin? Si. Elle est réveillée. Elle est inconsciente. Je la secoue pour la réveiller. Il faudra un jet de soin pour la réveiller. Mais ils l'ont pas tapé. Ah non, c'est vrai, elle est assommée. Bon, d'accord. Mais c'est celle qui s'est rendue? Ouais, oui, c'est Ulrich l'a assommé. Ah, ok. Il est où le changelin? Ouais, mais j'en sais rien. Il est où? J'en sais rien. J'en mets une. Il est où? J'en sais rien. Il est où? J'en sais rien. Pam! Il est où? Non, mais je pense qu'il n'en sait rien. Bordel de merde, grosse conne! Pardon! Je lui en mets une, moi. T'es une grosse conne avec ta lumière de merde! Ok, je lui en mets une pour l'assommer. Non, je lui en mets une, moi, j'ai dit. D'accord, vas-y. Ouais, Fizzle, elle est en train d'allumer force. Et pendant ce temps-là, les deux autres grosses connes. Je lui en mets une parce que c'est pas des manières. Bah, vas-y. Je fais un jet de... De combat, non? Moi, je veux juste faire un jet de force. Puru. Fais juste un jet de force. Oui. Combat ou force? Force ira. C'est juste une baffe, de toute façon. Non, mais pas moi, je veux lui mettre une patate. Voilà! Oui. Grognas! Toi-même! C'est pas moi la méchante de l'histoire! Qu'est-ce que toi dis? Je lui en mets une! Ouais, Silver, après s'être assuré que Redia va bien, il va suivre la source des cris. Mais je lui en remets une aussi. Attends, c'est quoi cette pute? Mais c'est nul. Ça, c'est les deux. Bah, je lui en remets une quand même. Et encore. Qu'est-ce qui se passe? Et les deux autres. Je vais aller voir les deux autres. Elle m'a insulté, la pote. Je veux. Qu'est-ce qu'elle dit? Je peux continuer n'importe quand je veux. On a trouvé le changelin. Elle me crache dessus. Oui. Alors, du coup, je la regarde dans les yeux avec un regard plus noir que les ombres. Plus noir que tes cheveux. Plus noir que ta crinière. Mais c'est nul. Silver, il va rajouter de l'intimidation par derrière parce qu'on déshonore pas une amie. Mais c'est trop tard, j'ai fait manger. Non, mais lui, il l'intimide derrière. C'est trop tard, j'ai fait manger. Non, mais
Il a bah fais ton jet alors. Voilà, tu me l'as fait rater. Mais il ferme sa gueule du coup devant ce coup-là. Voilà, il préfère ça. Et puis, je vais la baïonner avec de la corde bien serrée, comme un poney de sel. Voilà. Ouh. Et les deux autres là. Alors, il paraît qu'il y a un changelin, il est où? J'en sais rien. Attends. Vous êtes sûr que vous savez pas? Je sais pas où est passé Shulky. Qui? Shulky. C'est quoi ce nom de merde? Ah, c'est le changelin qui on vous l'avait raconté. Oui. C'est le gars qui a volé la corde de son bras. Oui, non, mais on sait. Hein. Enfin... Oui, non, mais elle vous l'aurait dit. Bon, bah, on va aller interroger le gros, alors. Elle était censée essayer de retrouver des groupes, mais pour les tromper, les voler, les assassiner peut-être, mais... Il y a quoi comme sortie par ici? Que l'entrée. Elle va plisser les yeux, vous êtes sûr? Elle va allumer sa corde. Oui. Elle est censée revenir ici? C'est rien. Mais vous savez quoi alors? Normalement oui, elle est censée revenir, mais elle n'est pas revenue encore. Mais on sait pas quand. On pourrait l'attendre. Bon, quoi qu'il en soit, je vous propose de fouiller cet endroit. Oui, ça vaut mieux. Juste pour clarification, le changelin, vous l'avez vu quand vous êtes entré et il s'est barré, ou vous avez pas vu le changelin tout court? Ça fait plusieurs jours que Shulky est plus là. Ah, mais je posais la question au joueur en fait. Hein, je posais la question. Pas vu, je que j'ai pas vu. On a pas d'accord, vu. Non, c'est juste. C'est... J'étais. Bref. Ça fait combien de temps qu'il est parti? C'est rien. Pas de date maintenant, plusieurs jours. Depuis qu'il y a ce pauvre taré avec le griffon qui est arrivé. Quel taré? Paul. Une licorne blanche au crin rose là. Mm-hmm. Purple Sunset. Il a déjà mis à mal la moitié de notre groupe à lui tout seul, avec son griffon. Quoi? Comment ça? Terrifiant son griffon. Pourquoi? À lui tout seul, il a anéanti la moitié de notre groupe. Oui, mais pourquoi? Comment? Mais, parce que à la base, on voulait l'attaquer. Et il s'est défendu juste avec le griffon, et du coup, au lieu de nous achever, il nous a juste demandé de les ramener au chef. Gabriel, le griffon. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si terrifiant, ce griffon? Avec tout seul, que je vous l'ai dit, il a... Il a tué tout le monde, ou presque. On était beaucoup plus nombreux que ça avant. Et c'est pour ça que vous avez travaillé pour lui? Ouais, moyennant finance. En tout cas, ça a bien plu au chef. Mmh. Même s'il voulait lui mettre par derrière, pour le coup. Du moins, essayer. Et moi? Mais vous avez des informations sur où est Purple? Aucune idée. Il nous avait juste payé pour qu'on foute le feu à la guilde. La guilde de Stalingrad. Ouais, d'ailleurs, je crois et que je quand voulais... on avait des récompenses si on vous tuait. Vous. Silver va commencer à avancer. Silver va commencer à avancer de manière très énervée. Elle va te... Fizel va te retenir. Laissez-les-moi. Non mais c'est bon. Fizel va te retenir. Il y a quelqu'un, toi ici, c'est le chef, pas les sous-fifles. Oh, ils peuvent peut-être encore se racheter. Ouais. En doute.
Allez. Et il regarde les deux autres groupes. Je suis sûr que si les Ryzots et les Black Balls nous avaient rejoints, ça se serait pas passé comme ça. Ouais, mais eux, ils sont un peu intelligents. Et ils ont choisi la bonne voie. Il faut mieux choisir ses alliés, c'est tout. Et si vous voulez gagner votre argent en faisant le bien ou le mal sur cette terre? Je pense que c'est de la persuasion. J'ai pas compris la phrase en fait. T'as pas compris ce que j'ai dit ou t'as pas... Non, je veux bien que tu répètes parce que j'ai pas tout suivi. Attends. Attends que je me rappelle. La dernière chose que t'as dit, c'est si vous voulez vous faire... Elle l'argent. A dit, eux, ils ont bien choisi leur camp et de gagner de l'argent en faisant le bien, en gros. C'est ce qu'elle voulait dire. Ok. Ok. Bon, vas-y, persuasion. Mais c'est pas terrible. Je vais relancer gratos au cas où. Sait-on jamais. Bon, bah, c'est ça. Les deux se regardent. Et ils baissent la tête. Et la grognasse? Bah, la grognasse, elle est assommée. Ah oui, c'est vrai. Non, je l'ai pas assommée. Baillonnée. Ah oui, elle est juste baillonnée. Bah, du coup, je la regarde. Je fais reculer Sylvain. Elle te fronce les sourcils, du coup. Il résiste pas pour reculer. Bah, je lui tire la langue parce que je suis une grosse gamine. Si elle pouvait le faire, elle aussi, bah, tu l'as baillonné. Et bah, raison de plus pour lui tirer encore plus la langue, genre, chais ! Casta, tu veux dire quelque chose ? Ah bah, il entend pas, va falloir parler plus fort. Quoi, tout peut pas ? Quel dommage. Provoque ! Oui. Oh non ! Non. Oh, okay. Te mords la langue. Mais non, attends, tu peux pas le faire gratuitement, le relancer. C'est un fumble. Un fumble, ça se relance. Tu te mords la langue et elle se marre. Oui. Genre bien sévère. Aïe. Moi, elle l'a mérité. Reine. Elle l'a mérité. Non, mais attends, elle est en train de rigoler. Est-ce que tu m'autoriserais à lui prendre la tête ou lui prendre la crinière par la magie et à lui étaler au sol pour lui faire fermer sa gueule? T'as pas le sort télékinésie, donc non. C'est dommage, c'était une belle provoque pour une fois que j'en fais. Ouais. Merci les dés. Mais... Les dés, ils nous volent du mal. Mais les dés, ils veulent jamais que je fasse de la provoque ou de l'intimidation. Pas vrai, t'en avais fait une belle des provocations derrière moi. Bof. Bref. Bon, fouille la truc. Ouais. En soi, tout le monde est en train de fouiller toute l'équipe en soi, donc. Ouais, on va. Mais tout je veux fouiller, juste voir la map passer. En entière, en fait. Oui, mais la révèle. Waouh. S'il y a des papiers, des infos, quelque chose, le moindre truc. Il y aura pas de paplard. Ils sont nuls. Terrible. Et sur les cadavres, sur quelque chose, sur quelqu'un. Bah après, bah il y aura leurs armes, quoi. Après, peut-être que quelques avis, genre il faut aller buter ça, faut aller buter ci, faut aller piller là. Il y a pas de, il y a rien qui est, il y a pas du loot. Enfin, il y a pas des équipements qu'ils ont laissés de côté. Si, mais justement à ce moment-là, il y a Little Wings et Scratch qui se mettront d'accord sur avec Ulrich justement qui on aimerait bien récupérer leur stuff. Et comme ça, on pourra commencer au moins à se mettre bien sur du marchandage, ou alors où justement ils pourront servir pour probablement ouvrir une agence de mercenaires ou une guilde, quelque chose qui pourra aider les gens plutôt que de leur que de les piller. D'accord. Mm-hmm. Mais du coup la guilde Saliengrad, elle a pas droit à une part non plus. Mais on a les infos quand même, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est majoritairement des infos. Mm-hmm.
Non, mais c'est, je voulais juste être sûr sur le truc. Nous, ce qu'on veut, c'est majoritairement des... Eric dira qu'on négociera cela ensuite. Mm-hmm. Okay. Ouais, de toute façon, c'est pas Silver qui va s'occuper de ça. Sinon, j'imagine que c'est visuel, mais je vois qu'il y a énormément de cristaux sur la map. Est-ce que c'est que sur la map ou il y en a pas? Non, il y en a pas. Ok. Non, il y en a pas. Ok. Il te reste du mana, Lucky? Il me reste du mana, oui. Petite lecture d'objets sur les arbalètes du... Trou oui, de balle. Sur les arbalètes du connard, oui, du chef, oui, exactement. Les arbalètes du gros. Ouais, ben je vais faire ça, effectivement. Ok. Bon, je te fais des descriptions rapides, mais grosso merdo, c'est plus des grosses plancouses qui parlent beaucoup avec Midnight Kiss, du coup, le Bad Pony. Et c'est apparemment Midnight Kiss qui leur a parlé justement du Purple, etc. Il leur a expliqué leurs actions. Et c'est avec lui qu'ils ont négocié le... Il faut brûler la guilde de Staliangrad. Ils ont... De toute façon, Purple les a bien payés, donc voilà. Oui, donc du coup, en fait, le vrai chef, c'est Midnight. Non. Purple. Non, le vrai chef, c'est les Minotaurs. Mais c'est Midnight qui parle en leur nom. C'est Midnight qui est... Voilà, c'est Midnight qui parle en leur nom. D'accord, c'est le porte-parole. J'ai compris. Donc c'est lui qu'il faut interroger. Okay. Est-ce que c'est étonnant que ce soit Dark Sasuke qu'on doive interroger et qui va certainement nous sortir un « C'est pas vos oignons, je parle non, de pas. » Non, il va nous sortir un « Vous ne pouvez pas comprendre. » Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Je crois qu'en fait... En vrai, je vais pas l'interroger, je vais juste lire dans ses pensées quand j'aurai retrouvé mon mana. Je vais pas me faire chier avec... Tu vas entendre du évanescence, c'est tout ce que tu trouveras. Tu vas juste voir voir des scènes de Naruto avec Sasuke. Oh putain. Tu vas voir que du noir. Du coup, ouais, s'ils avaient de la thune, je sais pas si... Non, mais je suppose que ça va être les mercenaires qui vont prendre la thune. Non, mais ouais, nous, ce qu'il nous faut, c'est des infos. Bah, soit je vous passe un petit peu le tout, mais des infos, à part tout ce que je vous ai fourni là, il y aura pas grand-chose d'autre de plus. Ok. C'est déjà une bonne chose de faire. Si jamais, moi, je veux savoir s'ils ont pas enlevé des poulains. Non. Ils ne faisaient que les buter. Ça va. Pardon. Attends, quoi? Ça arrivait des fois qu'ils achevaient. Très bien. Est-ce qu'ils ont achevé la description du gosse d'Amber? Non. Donc, ils l'ont jamais vu, le gosse d'Amber? Jamais vu. Du coup, mais qui l'a vu, putain. Ça me saoule, je suis sûr qu'on va jamais résoudre ça, ça m'énerve. Ça va être le boss de fin de la saison 3. Personne n'est venu me chercher, vous m'avez tous abandonné. C'est ça. Non mais moi je suis persuadé, en fait c'est un PNJ, il y a eu un hint qui a été fait, qui était subtil et qu'on n'a pas vu et... Bah évidemment. Plot twist, en fait ça va être Purple Sunset qui est revenu dans le passé. Woodcutter, qui était dans un livre. Enfin bref, du coup, après avoir récolté toutes les informations, brûlé les autres cadavres, non pas encore brûlé les autres cadavres mais fait un tas, la question se posera, c'est qu'est-ce qu'on fait du porte-parole et du chef? Et de Grognas qui a décidé apparemment de continuer de jouer la conne. Enfin des survivants quoi, qu'est-ce qu'on fait des survivants? Ben je pense que deux, on peut leur donner leur chance de se racheter. Si vous en voulez, après tout, vous avez perdu deux hommes, vous pouvez en regagner un en quelque sorte. Uh-huh. Elle. C'est Roger. Je vais m'approcher et lui tirer sur le mort de corde pour m'amuser. Elle est pas très utile, hein, vous pouvez la foutre en tôle. Sauf si elle décide de suivre le droit chemin, mais il y a un doute, n'est-ce pas, ma mignonne?
Vous l'entendez pas, mais il grogne. Ouais, on a entendu. Je l'imagine derrière le truc en mode... Et du coup, ce coup-là la regarde et elle lui fait le signe, tu sais, les bisous, là. Ouais. Ah, elle est trop mignonne. Allez, en trou! Et quand ton chef est au porte-parole, bah, c'est pas à moi de décider. Je pense pas que c'est à moi de décider, donc j'ai pas l'impression que ce soit des gens qui puissent se racheter. Moi, je regarderai Ulrich. On gagnerait peut-être plus à les faire enfermer. Ouais, mais ils pourraient s'échapper. Ouais. Comme un certain Burning Star. C'est pas dans la même saison. Je m'en fous. Puis il avait vu les gardes, ils sont incompétents. Et c'est surtout, en fait, parce qu'il y a vraiment une prison qui peut retenir un Minotaur, quoi, en fait. Bah, techniquement, oui, mais bon. Pour les gardes. Je pensais que c'est la meilleure solution. Il n'y avait pas à prendre cette décision. Franchement, ouais. Je sais pas. Très honnêtement. Mais en fait, là, on va dire non, faut pas les tuer parce qu'on n'est pas comme eux, on n'est pas des connards. Et puis ils vont s'échapper, ils vont nous la faire à l'envers. Mais en même temps, il n'y a aucune envie de les tuer, moi. Bon, voilà, on va arrêter les. On va prendre une décision tout de suite. Et il crase la tête. Je vomis sur la meuf. tu fais un écart pour aller vomir dessus. La meuf qui doit faire. Ah, c'est bon, t'es déjà verte. J'en ai marre. Il n'y a pas à tergiverser. Et pareil pour lui, éclater la gueule contre le mur. C'est quand même violent ce coup là. Hein? Elle va te le dire assez bas pour pas que l'autre connasse l'entende, mais quand même un peu violent. Et tuer des gens, pas violent. Ça aurait pas été plus propre avec lui. Hop là. Et il se lave les sabots dans le petit lac, le petit fleuve. Et les deux autres qui restaient, ils font quoi, eux? C'est de là? Ouais. Ils vont se racheter. Le Skoula a dit qu'ils allaient se racheter. Ils étaient là, à hocher la tête. D'ailleurs, en vrai, j'ai pas vomi, hein. Mais j'étais pas bien, et je vais les regarder, et j'ai dit, et si vous vous rachetez pas, on se reverra. Oui, madame. Silver, il va regarder Ulrich, il va dire, c'était bien nécessaire de leur écraser la tête. Un coup d'épée, ça aurait été plus propre quand même. Et là, il va dire, au moins, on est sûr. Bon, avec, on leur aurait tranché proprement la tête, ça aurait été plus propre. T'avais qu'à le faire, c'est ça. Ouais, bah c'est Silver, il est à moitié épuisé, il tient à peine debout. Ah, mais ça va, il va pas se défendre en face. Ça va aller. Bon. Ceci étant fait. Une bonne chose de fait. Bah, en vrai, oui. Bah, en vrai, on peut se reposer ici et. Reposons-nous ici, c'est quand même cosy, et avec ces petites lampes là, ça tient chaud. Et là, ouais, alors, là qui débarque. D'abord... Salut, j'ai ramené les Cheetos. Et qu'est-ce qu'on fait pour le changelin? Ben, il y a de fortes chances qu'il cherche à revenir ici. Bon, je pense qu'il verra très vite qu'il n'a plus de patron, non. Donc on le cherchera comme possible. Est-ce qu'il faudrait quand même pas les enterrer, les autres? Bien évidemment. Après, les enterrer dans Sihorn. Ou les brûler. Comme au Brésil. Pardon. T'as été au Brésil, ce coup-là? Bah, il vient d'où, à ton avis? Mais quel est ce Brésil dont tu parles? Je sais pas, ça met nous comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, vous supprimez tous ces cadavres. Oh putain, non, attends, deux secondes, va falloir que je... Mais maintenant, vite, je vais... Ouais, parce que j'ai plein de jours à déplacer dans le dossier RIP. Du coup, je suis un peu triste pour Boréoul. Attends... C'était qui Alors, Oscar, t'as pas intérêt de mourir demain.
J'en ai si on devait mourir. Chazinéa et ton enfant comptent sur toi. Et le dernier... Non, 16 enfants. J'arrive pas à bien voir, c'est un gars avec une deuxième couleur différente. De quoi donc? Non, je suis en train d'essayer de voir le dernier, en fait. Je crois que c'était lui. Ouais, je crois que les quatre qui ont foutu le feu, les quatre que j'ai vus foutre le feu, c'était machin, machin, machin et machin. C'était ces quatre-là qui ont foutu le feu. Le cinquième qui était à distance. Non, j'en ai vu quatre. Le cinquième, je sais pas. Il y en avait un petit peu plus qui se sont pas montrés. Spoiler. Oui, oui, j'imagine. Je sais, ils ont. Je sais qu'il y en avait d'autres. Il était six. Mais voilà, les quatre que j'ai vus. J'ai envie de dire chef. Elle n'est pas morte. Ah, c'est chiant, c'est la rame du cul. Alors, donc du coup, si je vais vous nommer ces deux-là. Celui-là, il s'appelle Flutterpoint. Lequel? Celui de droite. Celui de droite. Celui de gauche, il s'appelle Bulk Pride. Et la bas de pony verte, là, elle s'appelle Pumpkin Green. Même son nom, elle est toporée. Ouais. Peut-être elle aimait pas l'idée de devoir récolter des trucs. Attends, Bulk Pride? Attends, c'est bien Bulk qui marque, non? Arrête de chercher des liens partout! Pardon. Vous avez un problème, monsieur. Oui, je sais. Oui, 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 oui. Les gars, il va faire un arbre généalogique, un arbre de liens de parenté de absolument tout le monde. Attends, j'ai trouvé. C'est Bulk Biceps. Non mais lui ça va être un des ancêtres de Hollow Point. Moi. Le gif me représente bien chaque fois que j'entends des noms qui ont l'air d'être reliés. Il y a des liens partout! Partout! Voilà. Oh, il est trop beau. Bon, du coup, vous vous reposerez ici. Ouais. On reprend nos pépés! Ouais. Et en soi, donc pour l'instant, enfin, Ulrich et Redia vont se préparer pour partir retourner à Wimborne. Je vous invite à les suivre, tant qu'à faire. Bah, si on a fini ce qu'on a à faire... Oui, mais il faut qu'on aille prendre le petit avant. Oui, ouais. On leur dit... La petite. Il faut qu'on passe par Gravelton, de toute façon. Pour voir pour Visionary et... comment il s'appelait déjà? Daring Spell. Très bien. Ah bien. Non, mais Kernel, faut qu'on aille la récup. Oui, mais ils peuvent venir avec nous, les deux autres. Ah oui, bien sûr. On va récupérer Carnel, on va récupérer tout le monde, en fait. On va récupérer tous les gamins. Bah, après, je suis pas sûr que Visionary et Daring, ils aient envie de partir. Bah, on verra. Les deux, ils doivent vivre leur meilleure vie, putain. C'est Daring. Quoi qu'il Du coup, lui, Ulrich dira au revoir à... Little Wing qui dit bon bah voilà, elle on s'en occupe, on va la tège, on va l'amener à la garde. Ces deux-là, on leur donne une seconde chance et on garde bien l'entrée ici. Il y aura toujours une barrière en fait magique au cas où ils voudraient rentrer quand même ou essayer. Ok. Pourquoi le penchant amoureux est posé? Qui n'a pas utilisé de carte encore? C'est Loupi. Non, mais si, on a tous utilisé. Mais je m'en fous, je veux le mettre sur lui.
Mais non, on n'a pas tous utilisé une carte, vu que j'en ai 3 sur moi. Non, moi j'en ai 2. Ah non, il y en a 2 à Loupi qui ont été utilisés. Non, il y en a surtout 2 à Gals, 2 à Gals qui ont été utilisés, une à moi. Ouais, et une à moi. Non, tout le monde a utilisé une carte, donc pas de prochain amoureux. Mais c'est pas grave, je le mets quand même pour le plaisir de la poser. Si tu dis qu'elle utilise pas une carte la prochaine session. Non. Genre, tu lui retires une carte. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin du penchant amoureux, j'ai juste à lui faire un regard de braise. Non, mais il est pédé. Ah oui, c'est vrai. Mais j'en ai marre de tous, ils sont tous pédés, tes PNJ. La prochaine fois, je joue un mec. C'est l'univers gay, en fait. C'est un univers Freddy Mercury. Après, on se plaint de toutes les filles où on dit que tout le monde mange. Et quand je veux draguer des meufs, elles sont pas pédées. C'est honteux. Bah si, il y a Radiante. Il y a Radiante. Ouais, elle est pas pédée, elle est bi. Loupi. Oui. Loupi. Prochaine fois, tu fais un perso androgyne. Mais comme Storm. Vous avez passé à peu près 6 mois à l'appeler madame. Ah, 6 mois. 6. 3. Ouais, non, 6. Si je suis désolée, ouais, Winter... Quand on disait elle, assez souvent. Winter l'a trouvé tout de suite masculin. Bref. Mais il me semble que ce qui avait été dit pour la garde à Colère 6 pour Kernel, c'est que... Je me souviens plus, en vrai. Il me semble qu'ils avaient dit qu'ils allaient eux-mêmes l'escorter jusqu'à Wimborn. Oui, mais si jamais ils n'ont pas eu le temps, tu vois, bah on va voir s'ils ont eu le temps, puis s'ils n'ont pas eu le temps. Ouais. Par contre, j'ai oublié, s'ils n'ont pas eu le temps, on l'apprend. Par contre, j'ai oublié, j'avais dit à Mountain qu'on repasserait le voir après. Ok. Ouais. À Rotamine, du coup. Oui, c'est Rotamine. Bah voilà. Et pour que faire? Bah parce que on l'avait dit. On l'avait dit. D'accord. Genre, ouais, vous lui direz quoi du coup? Bah déjà je lui dois une danse. Yes. Et puis si on passe par Rotamine, autant se poser chez quelqu'un qu'on connaît. Mm-hmm. Voilà. Ok. Après, il avait dit qui nous avait dit de pas trop en parler aux autres, de pas trop divulguer sa présence. Oui, non, mais pas trop divulguer. C'est Redia et au public, mais là c'est deux bad pony, ça peut-être. C'est Redia et Ulrich, au contraire, c'est peut-être mieux qu'ils sachent, tu vois. Et peut-être potentiellement ils connaîtront comment c'est en Enoria et peut-être qu'il y a des arrangements en Enoria qui lui feront plaisir. Je sais pas. Ok. C'est Redia qui serait au courant, mais... Donc, du coup, vous irez le voir. Je vous accélère un petit peu la scène. Vous irez le voir. Il sera bon, ravi de vous revoir. Un petit peu plus, réticent à avoir des nouvelles têtes, mais en soi, ça se sera très vite. Acclimaté. Très vite acclimaté. Merci, c'est un très beau mot. Et Ulrich aura beaucoup papoté avec lui, d'ailleurs. Et aurait été étonnamment surpris de voir que jusqu'où ça pouvait aller, effectivement, ces expériences dans les capacités, la création des ombres et tout le bordel. Redia également aurait été très fasciné. Ouais, mollo Redia, hein, c'est le mien. J'entends rire. Ensuite, vous aurez fait votre affaire à Rotamine. Vous aurez été vous rendre à Colère 6, où l'enfant a bien été escorté jusqu'à Wimborn, du moins il est en chemin. Mm-hmm. Ensuite. On va à Graveltown, je pense. Mm-hmm. Pour voir comment les deux petits vont, et puis s'ils veulent partir ou s'ils veulent rester. Voilà. Bah, les deux petits vivent leur meilleure vie, effectivement. Tu m'étonnes. Ah, bah, ça... Avec le grand-père en forme de pépé gâteau. Ils veulent rester. Ah bah écoute... Eh bah ils restent. Ils restent s'ils veulent. Silver il va dire bah qu'ils font partie de la famille maintenant. Hein. Et vous leur annoncez pour Colère 6? Oui. Eh bah Visionary il dira bien fait pour ces connards. Tu m'étonnes. T'as bien avec raison. Mots. C'est bien petit. Et le papé il dira mais comment tu parles? Oh le papé il va dire... Ah non, on ne dit pas connard, on dit enfoiré de fils de pute. On dit enculé de pute. Enculé de connard de merde. Le pépé, il va dire, j'ai encore beaucoup à t'apprendre en vocabulaire. On dit petit furoncle. C'est comme le mérovingien dans Matrix. Ah oui. Et enfin. Ouais,
Du coup, en fait, maintenant, c'est un peu les cousins de Silver, quoi. Après, je pense que Fizzle leur aura quand même parlé de la directrice, de l'ancienne directrice de l'école de magie de Canterlot, qui pourra peut-être les aider si jamais ils veulent apprendre des trucs. Se soigner pour la petite, vu que quand elle parle, ça fait des dégâts. C'est Scarlet Dusk qui va leur, elle va leur parler de Scarlet Dusk. Que s'ils sont intéressés, qu'ils aillent la voir et qu'ils disent que ils viennent de sa part. D'accord. Moi, j'irai voir la princesse pour lui dire de faire gaffe à son trône parce que Platinum va venir tenter de lui botter le cul. Justement. Ah. Parce qu'à Graveltown, le lendemain, lorsque vous repartirez, vous verrez un énorme nuage sombre au-dessus de Canterlot. Aïe aïe aïe. Et ça, ça pue. Le scénarium. Le boss final est là, les mecs. Là. On va y aller. Fin de session. Attends, on va y aller alors qu'on est que vétérans, on va se faire pougner le fion. Mais non. D'un côté, c'est vrai que Ren avait dit qu'on approchait de la fin. Ouais, mais. Donc je pense. Je vais bricoler plein de Molotov sur la route. Je pense pas qu'on va atteindre vétéran. Je pense pas qu'on Vous êtes vétéran. Je pense pas qu'on va atteindre légendaire. 359, je divise par 35, ça fait 10 jours. 10 jours, je mets 2 jours de plus pour de repos, histoire de 11 jours. Hop, je mets fin à l'enregistrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est la Saint-Valentin. Ouais. Quel beau jour pour aller pougner un boss final. Du coup, je mets fin à la session. Tu peux mettre fin à la session.